De changer que je me ferais que je joue à Crypt Arc. Bon, c'est pas grave. Alors, on va charger la petite partie de l'Alpha Live. Rayek Live. On va charger notre partie. Toi, mets-toi plein écran. Voilà. C'est bon, en plus, vous voyez tout. Bon, vous voyez ma barre en bas, je vais peut-être la cacher. Ou... Non, c'est vrai que j'arrive pas à viser le jeu. Il n'est pas détectable, c'est ça qui... Si, il est détectable, mais vous le voyez pas en fait. Ah bah quoi que non, c'est bien là comme ça, vous voyez pas ma barre en bas. Ça affiche bien que le jeu. Ah c'est cool. Bon bah c'est parfait. Il n'y a que moi qui vois la barre en bas en fait du jeu. Ah non, vous la voyez maintenant. Bon c'est pas grave. Bonhomme 29 yo, c'est passé quoi depuis le début SVP? J'ai juste joué à Crypt Arc pour le moment et je viens de démarrer Stone Earth. Donc tu n'as rien loupé pour le moment. Donc on va se remémorer un petit peu ce qu'il y a eu dans le jeu. Donc nous avons déjà Grilla Jondal qui est une petite agricultrice, qui est maître agriculteur. Elle est déjà niveau max? Non. Eh bien, tiens, pourquoi j'arrive pas là? Ah voilà. Elle est maître agriculteur, elle est niveau max. Ouais, elle est déjà niveau max. En 2 heures, elle a été niveau max. Salut Rény, ou dit Yifol. Hein. Ça, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Nous avons Canton Bob, qui est notre petit fantassin niveau 1, qui est notre protecteur du village. Ah, j'ai un peu de ralenti, je trouve, hein, par rapport aux autres fois. Oh, zut. Nous avons June Fen Freewind qui est herboriste, Camille Pape qui est une petite menuisière, nous avons Hélène Elliott qui est... Enfin Hélène, il ressemble plutôt à un mec le bonhomme, c'est bizarre. Ok, qui est le maçon, nous avons le tisserand Kate Karn, ouais, enfin ouais. Bon, Ifol qui est notre trappeur. Ouais, il faut, il est nul en plus, il a pas de cerveau. Tu as aussi rasé une montagne ou pas? Pourquoi raser une montagne? Bah, y a des chances que j'ai besoin de ressources, donc oui, je vais peut-être enlever des trucs, mais... Alors, nous avons des petits Bog qui est parmi nous, qui est un petit travailleur pour le moment. Nous avons Cali West qui est un travailleur, nous avons Meltender qui est, une travailleuse, et nous avons Monty Koroda qui est un travailleur. Voilà. Donc, dès qu'il y a un prochain petit bonhomme qui arrive, le premier, mis à part ceux qui ont déjà... un nom à l'intérieur, n'est-ce pas Rény et n'est-ce pas Bug, dès qu'il y a un petit proche bonhomme qui arrive, si c'est le sexe que vous voulez, vous pouvez taper Picaboo, voilà, il a compris, et vous tapez Picaboo et ben vous gagnez le nom. Non, toi t'as plus le droit de participer, t'as déjà participé. Et vous pourrez, comment dire, bah, avoir votre nom dans le jeu. Salut Corruchine. Alors, bon. Aujourd'hui. Donc, bon, on a notre village qui est quand même déjà pas mal bien protégé. On va pas se faire agresser par les créatures. On va essayer de faire tous les métiers qui nous manquent. Pour le moment, donc, j'ai, ben, il me manque à faire le forgeron, une petite cuisinière, donc il me faudra un deuxième fermier et le potier. Et après, bien sûr, il faudra de toute façon un deuxième arboriste. Pourquoi ? Ben, comme on est en Alpha 16, il y a quelques petites nouveautés dans l'arbre de profession. Nous avons accès aux archers, nous avons accès aux chevaliers. Et on a accès maintenant au cléric, pardon, qui est ici. Donc on peut promouvoir un clerc en... enfin un arboriste en clerc. Et il faut pour ça un arboriste de niveau 2 et un livre sacré. Qui est fabriqué par l'herboriste. Voilà. Alors, on va essayer déjà de récupérer des nouveaux petits bonhommes, de consolider un petit peu. Normalement, alors je vais redonner vie comme ça ils pourront faire leurs activités en attendant. On a construit quand même quelques maisons pour que nos petits bonhommes, là je vais faire une petite
une petite rangée de maisons pour que nos petits bonhommes puissent dormir tranquille. Hein. Là, j'ai fait le camp de chasse pour Yifol, qui pourra aller nous récupérer un peu de nourriture et de la nourriture et du. Je vais y arriver. et des pots. Voilà. Qui pourront servir pour notre ami le tailleur. Alors, je vais voir, on en est où? Donc, lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? De toute façon, il faut le faire monter de niveau. Déjà, pour arriver à faire l'archer et le truc du berger, donc il faut qu'il prenne du niveau. Les caisses, je suis pas fan. Bah déjà, on va faire les anciennes en bois. Tant qu'à faire. On va en faire 5, ça le fera monter tranquillou de niveau. Comme ça, je pourrais faire les enseignes pour chaque métier. De toute façon, ce sera une petite aventure live. Ce sera moins long qu'avec la série, hein, la saison 2. Il y aura moins d'épisodes parce que je changeais les jeux entre-temps. Mais on va essayer de bien découvrir quand même cet alpha. Je vais demander à miner. On va leur faire faire un petit peu du minage intensif. Pour que notre ami le tailleur de pierre puisse monter de niveau. Et il faudra en créer un deuxième tailleur de pierre de toute manière. Rayek, je te déteste, j'ai encore acheté un jeu par ta faute. Ah. quoi, Stoneheart? Ou un autre jeu? Lequel? Allez. Oula, ça commence à être plein par ici. Mais c'est bon, j'ai prévu que des trucs pour la. Ouh, c'est déjà plein. Ouais. Bon, ça va. J'ai un peu quand même. Moyennement de la marge. Là, j'ai plein de bouffe qui est en train de se faire. Ça, c'est bon. On va attendre que ça. Dragon Dogma. Ah bah oui, non, mais ce jeu est énorme. Hein. C'est pas pour rien que je l'ai proposé en let's play. Hein, parce qu'il est vraiment excellent ce jeu. Je l'ai déjà terminé. Comme je l'ai dit sur PS3. Alors j'ai pas fait la partie. Quand je ferai la partie Dark Arisen, ce sera vraiment de la découverte. Et voilà. Donc. Et j'aimerais savoir si vous regardez le let's play de Dragon Dogma. Si ça vous plaît le format avec la quête principale le lundi et les quêtes annexes le reste de la semaine. Dites-moi si vous trouvez ça sympa comme concept. Ou alors vous préférez voir. Ou prévoir que la quête principale. Voilà, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Moi, je sais que les deux formats ne me gênent pas, puis ça permet de voir d'autres histoires. En match, ça me plaît. En match, c'est balèze. J'avais essayé de continuer l'histoire principale. Je me suis fait two shot par un boss, pas même pas par un boss. Je me suis fait two shot par une créature. Elle m'a tapé une première fois. Elle m'a tombé quasiment 90% de mes points de vie. Et comme dans Dragon Dogma, pour récupérer les points de vie, il faut soit dormir, soit bouffer. J'avais pas grand-chose sur moi. J'ai repris un coup quelques secondes après, je suis mort direct. C'est horrible. Ce jeu est horrible et sans pitié. Avec un guerrier, t'es moins emmerdé parce que t'as beaucoup plus de points de vie. Allez, c'est bon, ils m'ont récolté plein de trucs. On va regarder. Est-ce que nécessite un forgeron? Et pour faire les trucs du forgeron. Est-ce que je n'ai pas déjà le marteau de forgeron? Non, c'est pas ici, c'est ici. On va pas parler Dragon Dogma pour le moment. Rapport journalier. Alors, j'ai pas fait pour le forgeron. Non, faut que je... Alors, a-t-on un bonhomme ou pas bonhomme? Attention, c'est parti. Eh ben non, il n'y aura pas bonhomme. Donc, pas besoin de faire du picabou. Bon, fais un Uno. Fais ce que tu veux. Donc, je peux faire... Ah ben non, j'ai toujours pas de minerai de cuivre. Malheureusement, tant que j'ai pas le minerai de cuivre, donc il faut que je continue à miner pour qu'il me chope du minerai de cuivre. Ah, ça c'est dégueulasse. Pourtant, ah oui, je tape pas dans de la roche. Zut. Alors, eh ben, on va faire la technique de la technique qui va bien. Première chose, faire une échelle. Zut, trouver un endroit. Voilà, faire une échelle. Première étape, deuxième étape, construction d'un mur de protection. Non, c'est celui-là. Construction d'un mur de protection pour pas se faire agresser. Et y arriver, voilà, hop.
Hop là, et bien sûr, on met toujours la petite porte renforcée. Surtout que là, maintenant, je crois qu'ils peuvent les détruire. Oh, monsieur Ifol, tu es passé trappeur niveau 1? Le clair est génial, d'accord. Les streams des devs stun. Ouais, j'ai pas encore regardé parce que je voulais pas. J'ai juste vu qu'ils avaient fait ça et j'ai fait ouh, c'est génial. Allez, c'est parti. Et notre ami là, un négociant, on verra après. Notre petit ami là va me faire la porte renforcée rapidos qui est là. Porte en bois renforcée, maintenant faut du minerai de fer? C'est quoi ce truc? Mon dieu, ils sont chargés de plein de trucs! Doctor Who, c'est génial. Oui, moi j'adore. Je suis un grand. Ben, on va faire une. Et la double porte en bois. Faut pareil, faut du. Alors, je vais faire une double porte en bois. Je vais leur dire que non. En fait, la porte, ça va être une double. Alors, attends, viens ici. Reviens en mode édition. Reviens en mode édition. Voilà. Je vais faire suspendre la construction. Éditer. Je vais demander à retirer la porte. Cette porte-là. Et tu vas mettre une porte double. C'est con. Wouah, plantage. Je sens le mur qui va bugger. Je sais pas pourquoi. Terminer l'édition, construire. Ouais, vas-y. What? C'est bon. Bah oui, hein, c'est pas encore. Mon dieu, il faut des minerais maintenant de fer pour arriver à faire des portes renforcées. C'est quoi ce bide? Ouais, bon, ok, ça a bugué le truc. On va leur demander de la détruire en espérant qu'on puisse. Terminer l'édition, je vais faire retirer, supprimer ce bâtiment. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ah ouais, ça a bugué complet là. Ah, est-ce que je vais être obligé de revenir en arrière? Bon, j'ai pas fait grand-chose. Ça, c'est le gros souci en fait du jeu. Alors, on revient sur le mode, on va effacer, supprimer la porte. Tu veux pas me la virer la porte? Non, il veut pas. Ah, ça a tout bugué! La construction a bugué! Ça va être encore un super village, ça. Bon, bah, on va faire un mur plus près, hein. On va le laisser péter, c'est pas grave. Peut-être qu'en redémarrant la prochaine fois, ils feront le nécessaire. Ah ouais, non, mais ça m'a bugué le jeu. Ok. Je reviens. Donc, bah, comme d'hab, sauvegarder la partie. Alors, je vais en faire une nouvelle. Comme ça, je zapperai entre deux. Voilà. Et on va... retour au menu principal, on va relancer. Attention, bug de mur. Ah oui. Ah ouais, bah ça commence super bien, quoi. Continuez. Ça bug car... Alors, Rény, ça bug car il y a trop d'idiots ici. Celui qui s'est pas déclaré, qui se présente immédiatement. Ah là là, hop, bug 07, donc par contre j'ai hâte de voir l'évolution du forgeron. Ouais, faudra voir. Faudra voir, c'est vrai. À mon avis, ça va être. Oh là 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 là, je crois que ça m'a planté. Je pense que là, ça a définitivement défoncé le truc. Est-ce qu'ils vont. Non, ils vont même pas la construction. Pardon, c'est ici. Terminer l'édition. Retirer. Supprimer ce bâtiment. Non, je pense que là, ça m'a bugué le jeu. Bon, alors j'ai pas fait grand-chose, donc je vais recharger mon ancienne partie. Parce que là, ça fait un truc tout buggé en plein milieu et je pense que ça m'a défoncé le jeu. Donc on va reprendre celle-là. Ça va, on a perdu qu'une journée. C'est pas le souci. Et cette fois-ci, je ferai une porte double tout de suite. C'est le problème hein, quand il y a l'alpha avec les nouveautés et quand on fait quelques petits changements, ça a l'air de bugouiller un petit chouïa, c'est dommage. Allez, donc on redonne vie au village quand il veut me donner la main, quand il veut. Voilà. Allez, hop, le petit village qui reprend vie.
On repasse comme ça. Alors ça risque d'arriver souvent dans les lives, je vous le dis, hein, tout de suite. Donc hop, on va faire cette fois-ci un mur correct mais avec une double porte. Voilà. Hop, et cette fois-ci, on va mettre une double porte. On va pas changer pendant qu'ils sont en train de bosser. Voilà, terminer l'édition, construire, c'est parti. Mon kiki, il nous reste plus que à monsieur ici à me faire la double porte. Bon, on aura protégé ce côté. Je vais en faire une deuxième parce qu'il va avoir un mur de l'autre côté. Bien sûr. Alors où? Waouh! Vous voyez, il y a plein de bois à récupérer. Alors on va faire aussi que nos petits copains, ils vont faire bien. Rasage de bois. Et on va faire, ouais, hop. Pétez-moi tout ce bois. Et après on fera plein de constructions en bois. Allez, on protège déjà un côté. De toute façon, le guerrier est par ici. Donc il devrait pouvoir tranquillement pouvoir gérer tout ça. On va faire le marteau que je ne peux toujours pas faire, c'est vrai, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Allez, allez les gars. Construisez. Alors, ce... Isaac Zani, en l'occurrence, au fameux bug de l'an 2000, du coup, j'ai plus mon level. Ouais, tu vas vite leur prendre ton niveau, Renny. Et oui, ça fait plus de 16 ans que je suis sur Internet. Ah ouais, je savais pas pour le Magma Smith. Oui, de toute façon, si le Magma Smith, on le voyait avec... comment dire, on le voit, ils ont déjà fait l'image du Magma Smith, donc on sait déjà à peu près à quoi il va ressembler au niveau un peu look. Mais j'essaye de pas trop me spoiler, je regarde, je vois qu'il y a des nouveautés, je fais ah cool, il y a des nouveautés, je vais essayer de les fabriquer. Mais puis là, comme ils les mettent assez souvent, rapidement, ben avec les lives de tous les 15 jours, je pense que ouais, les artworks, ouais. Que Corushil dans les artworks ils les ont déjà mis et puis c'est les artworks que je me sers pour les miniatures de mes vidéos YouTube. Voilà, là ils ont fini le mur de ce côté, j'attends qu'ils finissent de défoncer les arbres ici. Allez hop, on va faire cela aussi, voilà, puis ça aussi, allez hein. De toute façon fuck la nature comme qui dirait, non je rigole, de toute façon on peut replanter. Parce que au moins avec eux on peut replanter des arbres, pas comme les enfants de Raya où c'est l'horreur pour ça. Alors, c'est parti, ils ont déjà fait le premier mur, on va faire un deuxième mur. De toute façon, là, vous allez voir beaucoup de murs aujourd'hui, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que je vais me protéger jusqu'à ma mine. Hop, et comme d'hab, on va faire la petite porte. Terminé l'édition, c'est parti, allez au boulot les gars. De toute façon, ils ont déjà fini le premier, ça c'est nickel. Donc normalement on ne devrait pas pouvoir se faire attaquer dans cette zone, les monstres ne devraient pas popper. Je pense à faire une porte de tunnel pour la mine. Merci. Et puis on va faire travailler notre ami ici. Parce que lui aussi peut en faire maintenant. Et on va la faire en pierre. Oh, j'ai plus beaucoup de pierre. Bon, je vais en récupérer plein, là, il ne devrait pas avoir de problème. Allez, en plus là j'ai plein de... Disons que ce qui est marrant c'est qu'avec les enfants de Raya, de Rayek, c'est peut-être pour ça que je les aime bien, mais ils sont beaucoup plus durs à jouer, hein. J'ose même pas y... Voilà, tu es repassé niveau 1, hein. Tu es content Rény? Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris sur le chat, hein, Rény c'est Ifol. Alors, bon, normalement je devrais pas avoir de nouveaux persos, donc le picabou ça sert à rien les gars. On va aller... J'entends des bestioles qui se bastonnent. On va récupérer toutes les ressources qui sont ici aussi au passage. Là, c'est en train de bastonner, là. Je sais pas où. Eh! Il m'a pété ma porte! Il m'a pété ma porte! Ah, mais c'est bon, c'était le guerrier, ça va. Il m'a pété ma porte! Nom de Dieu! Bon, lui, il est en train d'en remettre une nouvelle. Maintenant ils peuvent casser les portes ces enfoirés! Ah j'y crois pas! Heureusement qu'on a plein de bois. Hein. Bon ben je vais en faire une autre. Oh, il va y arriver le guerrier ou... Non c'est bon, il va y arriver. Allez, voilà. Le Varanus s'est fait défoncer la tête.
Attention sur le chat. Je vous préviens, attention sur le chat. Donc il fait toujours des popos, donc il devrait aller le soigner. Des bandages, ouais, il peut faire des bandages. Je vais demander d'en maintenir toujours un. Comme ça permettra de soigner les petits bonhommes. Aucune idée pour le online, c'est en dernier dans leur liste de développement. Ouais, ça c'est vrai, faut attendre. Non, c'est pas dommage. Non, Rémi, voyons. Ok, bon, ça va, ils ont bien avancé ici. J'espère que je vais avoir assez de pierres. Est-ce qu'il m'en reste de la pierre? Faites voir là, un peu de pierre. Oh, il m'en reste deux. Ouah! On va aller creuser un petit peu, hein, pour vendre quelques babioles. Ouh, j'ai des sous. Un gilet en cuir. Est-ce que le guerrier a une armure? Où es-tu, mon petit guerrier? Ouais, il a déjà un gilet rembourré, donc on s'en fout. Ils ont rien d'intéressant. Non, le reste, mais à vendre. Est-ce que j'ai pas des petits trucs à vendre pour avoir un peu de sous? Bon, la bouffe pour le moment, non. Non, j'ai pas encore assez pour me permettre de vendre. J'ai déjà la plupart des trucs de métier. Ah, quoique. Bon, les habits améliorés de travailleurs, on va les garder. À Bercy tous les soirs. T'as eu de la chance avec le Varanus perso, il me fait bien plus mal que ça. Mais j'ai mon guerrier qui est déjà un petit peu. Oui, non, non, mais t'inquiète. Le Varanus, t'inquiète. Je sais que le guerrier tout seul, il arrive à le gérer. Hein. Il a déjà quand même une bonne armure. Faudrait que je vois si je peux pas. Je crois qu'il fait une. Non, il fait pas les boucliers. J'ai déjà mis quand même l'arme comme ça, hein, mon guerrier. Donc ça va, de ce côté-là c'est pas mal. Mais ce que je voudrais c'est vite faire le forgeron pour faire des armures un cran au-dessus. Alors pour éviter d'être un trop gros problème de pierre, on va vite faire ça, puis on va faire ça. Allez, allez les gars, allez miner. Normalement en haut, ah ça va, de toute façon ils vont terminer. Bah, ils ont quasiment terminé. Ils vont enlever, ils vont venir poser la porte. Ah il manque une rangée, zut. Après, ben... On aura ce qu'il faut pour aller faire notre mine ici. Et après, j'essaierai de faire un chemin en pierre pour qu'il se déplace beaucoup plus vite. Non, mais sinon, j'en ai un autre que de temps en temps, je transforme en guerrier si j'ai vraiment un... Je vois qu'il y a un peu de mal. Mais bon, pour le moment, je veux dire, un guerrier contre un Varanus, il n'y a pas trop de problème. Et d'avoir fait les portes comme ça, je suis à peu près tranquille. Enfin, avoir fait les murs, ils viendront pas m'ennuyer, ou très peu. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de souci particulier. Voilà, là, ils vont bientôt avoir fini. Ok, ça y est, ils ont terminé ici. Normalement, en ressources, ça devrait aller. Ouais. Bon, là, à mon avis, ça va être beaucoup du bois, je pense. Je dois avoir quelques pierres en plus. Ouais, là c'est du bois. Là j'ai pareil beaucoup de bois. Que du bois. Et oh ah, il m'a posé une pierre. Trois pierres. Ça va. Mais il n'a pas dû en avoir beaucoup. On doit pas en creuser pas. Enfin, quand on creuse ici, à mon avis, ça ne doit pas en récupérer énormément. Bon là, ouais, c'est bon. Ça y est, il est soigné. Il est à fond. De toute façon, dès qu'il part, il passera niveau 2, il aura beaucoup moins de problèmes. Contre les autres créatures. Et quand il passera niveau 3, normalement j'ai déjà une lance en stock, si je me souviens bien, que j'ai eu, je crois, j'ai plus, je sais plus. Est-ce que non, j'ai toujours la lance. Ouais, voilà, j'ai déjà une lance. Donc après il va devenir tranquille. Dès qu'il passe niveau 3, je pense que ce sera assez tranquille. J'aurai pas trop à m'en faire. Ici, de toute façon, je crois que je lui ai déjà fait l'armure. Est-ce que je peux faire celle-là? Ah bah voilà, on va lui faire celle-là. Ah non, il n'est pas encore niveau 2. Il n'est pas encore niveau 2. Mais on va pas se gêner, on va la faire quand même. Parce que là maintenant, comme il y a des niveaux pour les équipements, autant leur faire des trucs pour quand ils passent leur niveau. Surtout quand il y aura le deuxième qui arrivera un peu plus tard. Ok, allez, là, ils ont terminé. Allez, on va commencer, on va foutre une petite échelle ici et on va recommencer le même boulot. Déblayage, création de murs de protection.
Donc défonçage d'arbres. Ça, le bois, je pense que là, dans cette série, on n'aura aucun problème par rapport à la série que je vous fais en ligne. Enfin, que je vous fais, pardon, régulièrement. Sauf si tu te trouves contre les nouveaux ennemis. Ah! Mais de toute façon, j'ai de quoi créer un deuxième guerrier. Hein. Et puis, je pense que je vais vite faire un deuxième herbaliste pour le transformer en clair. Hein. Faudrait d'ailleurs que je regarde. Est-ce qu'il a le niveau déjà de passer en clair, le petit monsieur? Je pense pas, il doit pas avoir le niveau. Hein. Il faut quoi? Niveau 2. Herbaliste, herboriste niveau 2. Et le bouquin. Normalement, est-ce que j'ai de quoi construire le bouquin? J'ai pas regardé. Si j'ai de quoi le faire, je vais le créer. Je vais pas me gêner. Oui. Allez, hop. Fais-moi le bouquin. Quoique, attends. Hop. Non. Fais pas le bouquin. Parce que je l'aurais pas déjà fait. Ce serait con d'en avoir deux. Non, je l'ai pas fait, donc je vais déjà le préparer. Hop. Comme ça, il sera fait. J'ai les ressources pour. C'est top. Comme ça, dès qu'il passe niveau 2, je le fais passer cléric et un autre. Alors, picabou ou pas? Eh ben non. Ça y est, ils ont terminé ici. Allez, c'est parti. Construction d'un nouveau mur. De toute façon, il faut que les petits bonhommes ils se blessent si on veut que notre arbaliste il monte de niveau. C'est le mieux. Je vais pas m'amuser à faire 50 millions de potions non plus. Et on va prendre la porte double comme ça. Parce qu'il y a quelques que je peux faire pour le moment. Allez, faites-moi ce petit mur tranquillou. On va construire nos deux portes doubles. C'est parti. Porte double, porte double. Ouais, ça j'avais vu. Je crois qu'il n'y a que les portes renforcées qu'ils n'arrivent plus à passer maintenant. Ouais, bon, le bois, avec 302 blocs de bois, je devrais être à peu près tranquille. Oui, Koruchine, ouais, si on fait un clair avec un guerrier, tu peux tuer 5 ou 6 ennemis sans trop de soucis. T'inquiète, c'est ce qui était prévu. Rentrez-vous langue. Une trappeuse est descendue en ville avec ses marchandises. Alors oui, comme vous avez vu, j'ai la VF, hein, ils ont fait du travail, ils sont... Les gars ont fait vraiment un super bon boulot pour pour la VF. Kizako, plume de Poyo! Oui, il faudra ça, faudra en récupérer des plumes de Poyo pour pouvoir faire l'archer. Mais pour le moment, je vais rien acheter. Je vais peut-être regarder si j'ai quelque chose à vendre. Non, je vais garder mes armures pour pour le moment, au cas où j'ai un deuxième guerrier. Enfin, où j'ai besoin d'un deuxième guerrier. J'ai mes porte de tunnel qui est prête. Tout ça c'est bon. Tout ça c'est ok. Non, je crois que je vais rien lui vendre hein, pour le moment. J'ai tous mes quasiment tous mes métiers qui sont prêts. Ah oui, je voulais faire un deuxième. Ils n'ont pas démarré le mur. Est-ce que j'aurais oublié de lancer comme un boulet? J'ai peut-être oublié de lancer la construction. Ah non, mais ils ont faim, c'est vrai. Ouais, ils veulent bouffer les messieurs dames. Tiens, d'ailleurs, vous allez me faire aussi de la récolte. Alors pour le moment, je les laisse vaquer un peu à leurs occupations diverses et variées. Est-ce que j'ai beaucoup de pierres? Je vais regarder, parce que je vais peut-être faire quelques coffres en plus. Ça fera monter en plus notre ami. J'ai pas grand-chose encore en pierre. Dès qu'on arrivera à la mine, ça devrait être tranquille. Un Tata avec un Larousse. Moi, des fois, j'irais, ce serait plutôt un Tata avec un Becherel pour certains. Ok, c'est bon. Après, ils auront plein de bois. Mais là, pour le moment, à ma vie, ils le laissent au sol. Parce qu'il n'y a plus de place pour le ranger. S'il y en a un qui le ramasse. Allez, c'est parti. Petit coup de pierre. J'hésite. Voilà, ils vont me récupérer tout ça. Pour le moment, c'est le village manque de richesse. C'est ça le problème. Mais comme je veux rien vendre, encore, on verra plus tard. Puis là, c'est bien, là, ça fait des petites zones. On va pouvoir faire des constructions tranquilles.
On va pouvoir me faire tranquillou des petits trucs. Je ferai une petite maison de mineur ici, tranquillou là, avec un petit stock. On fera ça après. Ah oui, non, mais il y en a, quand il y en a certains. Alors, je dis pas que je suis un pro de l'orthographe, hein, mais alors quand on en voit certains sur, qui répondent à mes, enfin, qui mettent des commentaires sur ma, sur la chaîne ou sur Facebook ou autre, et je suis modérateur aussi sur un forum. Je vous dis pas, c'est la cata. Hein, quand on en voit certains, on se dit, mais mon Dieu, quoi, au secours. Ah, il y a une bestiole qui est en train de taper quelque part. Ok, des loups qui sont en train de se taper avec des morts-vivants. On va les laisser se flinguer. Je pense que je vais faire un deuxième guerrier dans mon équipe. Et on va faire, hop, toi là, ici, tu vas faire un deuxième marteau. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Tu vas me faire un petit marteau. Et on va promouvoir un deuxième bonhomme en tant que guerrier. Alors, Bog, non, tu as pas assez d'âme. Tu as pas assez d'âme. Tu n'as pas assez d'âme. Tu as une âme qui est pas correcte, t'as peu de physique, mais tu fuiras pas devant l'ennemi. Donc c'est parti, notre deuxième fantassin. Ah bah des fois on a les yeux en sang, hein, quand on voit les fautes de certains. Moi je parle bien la France, oui, si tu le dis. Alors les loups, est-ce qu'ils viennent m'emmerder? Ils sont à moitié blessés. J'hésite à envoyer les deux guerriers. Normalement, il devra avoir son arme, l'autre. Est-ce qu'il est passé guerrier? Ouais, il est passé guerrier. T'as quoi comme équipement? T'es apprenti fantassin et tu as ta masse. Alors, on va envoyer les deux guerriers défoncer les loups. Normalement, je pense qu'à deux, il devrait y arriver. Hop, ils sont le groupe de deux. Parce que comme il y a... Je voudrais pas qu'Ifol meure, sinon après, il va m'en vouloir et tout. Donc... Et on va attaquer d'abord le plus faible. Bon, là. Lui, là. Défoncez-lui sa gueule. Parce que Ifol est dans la zone dangereuse. Voilà, bon, là, ils ont fini. Il reste plus que la porte. Je vais aller les surveiller au cas où. Putain, mais il y en a un qui se déplace beaucoup plus vite que les autres. What? Allez. Ok, je pense qu'il y a un loup déjà de mort. Il va y avoir deux loups de mort bientôt. Bon, j'ai été un petit peu blessé. C'est qui a été? C'est Ifol, je pense qu'il était un petit peu blessé. Mais ça se passe plutôt bien. Tu as pas de SI, il faudrait que j'en fasse un d'ailleurs. Merci. Voilà, mais c'est bon, ils ont réussi à gérer correctement. Faudrait que j'en fasse un de bouclier de bois. Il doit en manquer un. Bouclier en bois. Top là! Voilà. Bouclier en bois, c'est fait. Bon là ils ont toujours pas fait la porte. Combien j'ai de pierres? Chaque fois je me loupe. Hein. Combien j'ai de pierres? Merci. Combien il me reste de pierres? Il me reste 8 pierres. Ok. Alors on va déjà creuser un petit peu ici. Rapidos pour récupérer un petit peu plus de pierres. Alors si je fais ça je vais pas la voir. Mais on va monter d'un cran, deux crans, trois crans, quatre crans. Voilà. Et là, maintenant, on voit cette partie-là. Et on va faire des petites salles en attendant. Alors, le rapport, bonhomme ou pas bonhomme? Ta-da-da-da! Eh ben non, eh ben si. Alors, qui a Picabou? Le premier Picabou, c'est un homme ou c'est une femme? Monty Fenton, c'est un homme. Avec le premier qui met Picabou, qui n'a pas, je mettrai son pseudo. Allez, allez, mon personne veut, ok. On va voir les stats. Ah ben voilà, ben, c'est Koryushin en premier qui... Oh, bah, pas mal en âme, il risque de devenir guerrier celui-là. Donc Koryushin, tu fais partie de maintenant. Koryushin, tu fais partie du petit village. Voilà, alors on va faire... Comme il n'y a pas eu de plantage pour le moment, on va faire un joli... Youhou! Sauvegarder. C'était quoi la plus vieille? Je voudrais éviter de me planter mes City of Rayek. Non, c'était celle-là que j'avais fait tout à l'heure et on va faire remplacer.
Voilà. Ce serait con parce que sinon je me plante tout ce que j'ai déjà fait pour la vidéo. Voilà, allez, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Et quand on arrivera à 15, quand il y aura 15 bonhommes dans le village, on renommera un des personnages qui aura été travailleur. Allez, bah, il faut aller passer niveau 2. Voilà, enfin. Enfin, il bosse. Alors là, j'ai des quoi? Il faut aller passer. Non, Minter est de passage avec quelques meubles à vendre. Ok, ouais, bah tu. Alors, là, on va récupérer la pierre en masse. C'est con, en fait, je fais des trucs en bois, mais c'est pas grave. Et. Hop là! Et on va mettre la porte ici, tiens. On va changer de coin pour une fois. Allez hop, voilà. Bon, ça fait des murailles dégueulasses, mais non, mais si je la valide pas, ça va pas le faire. Terminer l'édition, construire. Ouais, ça va, les pierres surmontées. Le bois, je crois que je n'ai pas de problème. Le bois, je pense que je n'ai aucun problème avec. Bon, là, ils ont tous faim. Alors, tu devrais leur enlever le transport aux guerriers. Ils peuvent être n'importe, voire même aller attaquer avant que tu puisses réagir. Bah, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils sont toujours à côté de la bouffe, les guerriers. Alors, tu me dis, en enlevant le transport, ils y vont plus? C'est-à-dire qu'ils patrouillent de partout? D'ailleurs, ils sont où, les guerriers? Ils sont en train de bouffer, je pense. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de bouffer. Ok. Oh mon dieu, level 2, je pleure. 600 armes, ça fait un bon futur clair. Ah, tu préfères? Ok, pas de souci. Bah non, puisque ça va être celui-là qui va passer. Il faudrait que je te. Donc. Non, herboriste à la rigueur. Allez, tisserand, passé niveau 4. Alors, est-ce que. Ouais, ils commencent le mur là-bas. Bon, ils n'ont pas terminé ici. Alors, ça a bien commencé. J'ai pas récupéré encore de minerai. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait le tour un petit peu des montagnes et des trucs comme ça pour voir s'il y avait du minerai facile d'accès. Là, on a du l'étain. Là, on a du fer. Ouh, cool. Ça sera peut-être un truc à aller voir. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose. Là, une zone. Je la vois plus. Là, c'est quoi ça? Du fer. Tu vois qu'on va pas trouver un seul morceau de cuivre dans la montagne, quoi. Ça va être la montagne pauvre en cuivre. Bon, après, ça devient trop loin, là, pour le moment. Quand on aura des guerriers de la mort qui tuent, ça devrait aller. Ah! Ça sent le cuivre, ici! Donc, on va faire un chemin qui va jusque là-bas, tout en laissant à l'intérieur. Ça, on ira récupérer pas mal de cuivre. Allez, on fait hop! Bon, ils n'ont pas encore fini, c'est normal, ils ont plein de trucs. Là, je commence normalement à avoir pas mal de pierres. Salut Pierre. Ouais, c'est Pierre, 36 pierres. On va faire du coffre. Du coffre à 64, hein, c'est quand même vachement intéressant. Voilà. Allez, fais-moi-en 5. Ok, il continue à tapoter les petits. Puis de toute façon, je vais essayer de vite de faire des constructions dans le coin pour que on soit pas le poète de Rayek. Mon ami Koroshim, prête pas ton bouquin pour que je te pige un peu. Ah là là. Alors, donc, le cuivre, il est là-bas. Donc, en faisant normalement, en minant tout droit. Non, 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 ça fait un peu beaucoup là. Stop, stop, retirez. Désolé, je suis allé un peu loin, les gars, désolé. Alors, finis quand même, moi, ça. Et allez, faites-moi un joli tunnel. Bon, c'est pas grave ça. Ça tape sur le cuivre ou je suis allé trop loin? Ou je suis pas allé assez loin?
Je retrouve plus mon minerai de cuivre. Montre-toi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on y arrivera bien un moment. Oui, si, chose à faire quand même, au cas où. Hein, c'est mettre notre petite porte de mine. Voilà. Quand il tape, tape, tape cette mine qui lui plaît. Ouais, merci. Acheter le dernier album de génie. Énorme. Oula, bah ils ont pas fini. Oh les gars. Oh les gars. Vous glandez quoi là? Vous avez du boulot. Alors, il y a peut-être plus de place ou quoi? Alors, on va se servir de. Hop. On descend, on descend, voilà. On va se servir ici pour faire du stockage. Je sais pas si c'est une super bonne idée, mais ça fera la zone de stockage. Voilà, rapport. Pas petit bonhomme, hein, laissez tomber. Hein. Refais des coffres. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. T'inquiète. Et on va faire un coffre ici où il y aura. Je me disais merde, ça bug. On va mettre tout ce qui est ressources, un peu de tout. Enfin, toutes les lignes sur première ressource. Voilà. Allez, on remonte. On arrive, voilà, jusqu'à la mine. Ça, c'est nickel. Alors, ici, ils ont terminé. Presque, il manque plus que la porte. Qui devrait pas tarder. Et de passage avec des meubles. On s'en fout, on n'en veut pas des meubles. Si c'est bon, la porte, elle est déjà faite. Ok, bon, vous ne venez plus, les gars. Allez, allez. Bon, ça va, il y en a un qui mine, c'est bien. Alors, est-ce que dans tout ça, j'ai réussi à avoir quand même un petit chouïa de cuivre? S'il vous plaît. C'est possible d'avoir eu le cuivre pour pouvoir faire notre forgeron? Oui! Miracle! Si le bouquin de Claire, il fait si mal, c'est à cause des mots intelligents qu'il contient, les trolls ne supportent pas. Énorme. Hop, on va faire de la récolte ici. Ah ouais, je commence vraiment à être plein. De toute façon, au bout d'un moment, tout ça va disparaître. Hein. Je ferai des maisons. Quand je ferai, commencerai à faire les maisons pour les petits bonhommes. Non, c'est comme ça. Ah, est-ce qu'on peut taper directement la valeur? Non, malheureusement, on peut pas. Ça, c'est dommage. J'aurais pu faire un truc, qu'on puisse taper la valeur ici, direct. Et ça permettait d'aller directement à l'endroit où on veut. Je vais faire construire encore d'autres coffres. Allez, vas-y, refais-moi-en 5 de plus. De toute façon, de la pierre, je crois que pour le moment, on en manque, on va pas en manquer de toute manière. Là, c'est bon, j'ai réussi à faire ma mine, donc il ne devrait pas avoir de soucis particuliers avec ça. Allez, donc ça va être les, on va mettre ici pour tout ce qui est ressources. On va mettre ici pour tout ce qui est la deuxième ligne, là qu'ils me les auront posées. Bon, j'ai une petite caisse que je vais revendre plutôt. Qui ne sert à rien. Là, pour le moment, j'ai 4 qui font les ressources principales. On va faire une pour tout ce qui va être bouffe. Parce que c'est ça aussi qui prend pas mal de place, c'est la bouffe. Voilà, donc ce sera là la zone à la bouffe. On va attendre qu'ils finissent. On va faire 5 caisses de bouffe. Ce sera déjà pas mal pour un début. Hop. Hop, 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 elle est en train de déposer la bouffe, c'est nickel. Bah alors, il folle, tu te fais vanner tous les jours. Voilà. Normalement, on va pouvoir faire, parce qu'il a dû faire l'objet. On doit pouvoir faire normalement notre forgeron. Donc le forgeron, c'est mieux quand même hein, quand il y a beaucoup d'esprit. Hein.
Oh, bah, il y a Kelly Wester qui a pas mal d'esprit. Oh, puis nous avons Mel aussi qui a pas mal d'esprit. Je me retrouve avec peu de travailleurs derrière, donc c'est. Bon, quand les autres font rien, il y en a qui bossent quand même dans les bâtiments et dans la mine. Hein. Donc, c'est pas gênant. Allez, elle va devenir le forgeron. Désolé, ce sera une demoiselle encore. Hein. Ben, bye bye, il folle. Hein, Ça y est, elle vient de passer. On va créer l'atelier, les ateliers de notre forgeron. Pardon. Ok. Faut d'abord faire ça. Ils auraient dû inverser les deux. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Ah, il y a eu pas mal de changements. Hein. C'est sympa tout ça. Tous ces petits changements, c'est vraiment très sympathique. Ça donne un autre truc pour le jeu. Enfin, j'aime bien. Il bonifie le jeu là, à chaque mise à jour. C'est ça qui est vraiment génial. Allez, fais-moi vite le ça. Allez, alors, ça on peut en faire un. Ouais, je m'en fous. Tu fabriques, de toute façon tu vas poser ton truc. Et derrière, tu vas me faire ça. Ça, ce sera fait. Et on va vite essayer de faire de l'équipement pour notre guerrier. Pour notre guerrier le plus costaud. Alors je vois, il n'y en a que quelques-uns qui parlent. J'ai l'impression qu'il y a 7 personnes qui sont en ligne. Donc les autres, vous pouvez parler aussi. Hein, parce que je pense pas que vous êtes que 7. Enfin, 1, 2, 3, 4. J'en vois 4, 5 qui parlent. Il y en a 2 qui se cachent. Et qui n'osent pas parler. Ou alors j'ai un faux truc sur le. Ah ben, faut dire que je suis dedans. Donc il doit y avoir une personne qui n'ose pas parler, peut-être, sur le chat. Alors, on va remonter. Rapidos pour voir si notre mine va bien. C'est bon, il est allé jusqu'au bout. Alors, le minerai de cuivre, bah il est où? C'est encore plus loin? Non. Bon, il a pas fini ici. Non, c'est si loin que ça? Ah mon dieu, c'est jusque là. What? Ok. Eh ben, va falloir creuser, hein. Allez les gars, faut creuser. Ça y est, je suis dedans. C'est bon. Donc on devrait pouvoir récupérer un petit peu par là. Quand ils voudront bien aller creuser. Bon, pour le moment, ils doivent dormir la plupart. Donc c'est bien, c'est qu'il y a plein de maisons ici, donc il n'y a pas de problème. Le level minimum pour porter des équipements a donné du renouveau sur certaines professions. Ouais. Oui, bah oui, parce que tu vas faire les petites armures pour lui. Mais c'est dommage, il y avait un truc qu'ils avaient fait qui était génial, c'était dans le mode Frostfist, où tu avais des vêtements pour la période d'hiver. Alors, je sais pas si... Pourquoi il bosse pas là? Tu m'as bien fait mon métal? Ah ouais, parce qu'il est... Ça y est. C'est que le temps qu'ils aillent le déposer et tout, voilà. Bon, on va voir ces trucs maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir pour booster mes guerriers? Donc ça, c'est les outils, c'est pour plus tard. Oh, bien, bouclier en acier. Bon, il faut un lingot de fer. Le menuisier, on s'en fout. Donc on pourra faire un knight assez rapidement. Là, il me faut 2 lingots de bronze. Donc pour le bronze, il faut de l'étain, il faut du cuivre et après on peut faire du bronze. Donc il m'en faut 2 comme ça. Bonhomme ou pas bonhomme? Pas bonhomme. C'est beaucoup plus dur hein, quand même pour avoir des bonhommes, hein, je trouve, hein, par rapport à avant. Oups, 2. Et derrière, il va me faire... C'est pas grave. 2. Comme ça, derrière, il va pouvoir me faire... Une arme un peu plus costaud, la masse en bronze. C'est déjà pas mal. Rayek à la quête de l'Eldorado. Allez, venez, on n'est pas des monstres. Alors, une trappeuse est descendue, blablabla, blablabla. Pour le moment, de toute façon, on n'a rien qui... On n'a pas assez de sous. Déjà, de toute façon, j'ai déjà la lance de fer qui est présente. On va essayer de faire des armures. Donc, il faut paille, lingot de bronze. Donc, 1,
puis 1, puis 1, ça va faire monter de niveau. Et derrière, on fait notre petit bouclier, ça en fera déjà un. Bon, niveau 1, mais c'est pas grave, ça permettra. Derrière, on a l'armure. Il faut niveau 3 pour l'armure, et pour le casque, niveau 1. Et il faut juste un bronze, donc c'est parti. 1, 1, on fait 1, et on va faire un petit casque déjà. Voilà, comme ça il a du boulot pendant un petit moment. Il va monter de niveau tranquillou et il va nous booster notre petit guerrier. Non, le picabou a loupé là. Mon dieu, vous avez un temps de retard par rapport à ce que je fais, c'est impressionnant. Ce que je vois, moi j'ai le retour, j'ai ce que je regarde en même temps sans le son, ce que je vois à l'écran, et je vois un temps de décalage, mais de presque 30 ou 40 secondes, quoi. Bon, ça a l'air d'être fluide, c'est déjà pas mal, mais quand même. Alors, bon, notre ami a dû faire ce qu'il faut ici, donc je vais rajouter les caisses. Eh ben, il faut aller passer trappeur niveau 3, mais il est plus là, donc c'est pas grave. La bouffe, ok. Là, niveau ressources, à mon avis, ça va vite. Voilà, j'en... Ouais, il va falloir que je repose. Il va falloir que je repose ici, parce que ça devient la cata. Allez, on va faire un truc, c'est que notre ami ici, hein, il va, vu que, à mon avis, en pierre, voilà, on n'est pas trop mal en pierre, il va me maintenir 5 coffres en permanence. Parce que de toute façon, je pense qu'on n'a pas fini de creuser. Parce que là, à mon avis, il est encore loin. Voilà, ils n'ont pas continué à creuser pour le moment. Donc on va attendre. Parce qu'ils ont, à mon avis, ils ont tellement de choses à faire. Est-ce que je vais pas dédier un bonhomme pour aller miner, moi? Ah, j'ai pas beaucoup de travailleurs. Hein. Il va falloir que je fasse des constructions. Pour monter plus vite. Alors avec tout le bois qu'on a, il n'y a pas de souci. Alors les maisons comme ça, je vais en faire encore, je pense, 3. Ça va bien me faire monter. Avec le bois que tu as, fais travailler le menuisier en lui faisant des commodes. Ouais, ouais, je sais, je connais que c'est bon pour les finances, mais je préfère le faire en faisant des petites constructions. Pense à monter les pouvoirs des nouvelles classes. T'inquiète. T'inquiète. Pour le moment, j'y vais tranquillou. C'est quoi déjà? Ouais, c'est Nifol qui est passé niveau 3, mais ça on s'en fout. Il va pouvoir devenir berger bientôt. Oui, j'en étais là. Pour ces maisons-là, de toute façon, les préfabriquer. Alors, c'est où? C'est où? C'est... T'es là, t'es là, t'es là. Il va falloir que je fasse un tri dans tous les trucs que j'ai créés. Quartier, dortoir, ça doit être ça. C'est dortoir. Non, c'est pas dortoir. C'est petite maison. Voilà, il faudra toujours. Alors, un limiteux, une lanterne, une porte en bois, un cadre. Voilà. Et on va essayer, on va la placer ici. Du bon coup. Zut. Chaque fois, je me loupe. Petite maison. Petite maison en bois. Hop là. Terminer l'édition. Construire. Et on va faire que notre petit menuisier... Alors, c'était en permanence, tu vas me faire un limiteux. Un limiteux, c'était une fenêtre comme ça. Une porte en bois. Et une loupiote murale. Voilà, comme ça, à chaque fois que j'en construis un, il en laissera toujours un. Mais t'inquiète, hein, pour les sous... De toute façon, on n'est pas pressé. C'est tranquille, on va laisser le village vivre tranquillou. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se presser. On a le temps de découvrir. Hop, ramassez-moi tout ça. Bande de feignants. Nous avons un lapin qui traîne. Ah, ben c'est le pote à Ifol. Ifol a un petit pote maintenant. Ok, bon, et ça, ils ont déjà tout ramassé. Peut-être pour ça qu'ils continuent, ils ont continué. Ça y est, il y a du cuivre ici. Ils vont pas tarder à y arriver. Ouais, ils ont avancé quand même. Parfait. C'est parce qu'il y a trop de choses à ramasser pour le moment. Donc c'est pour ça que n'allez pas. Là, dès que bon, la maison est en cours. Normalement, si j'en fais une deuxième juste derrière, on va les laisser les terminer. Alors,
J'ai vu une dev faire un mode pour sa bug. Attends, j'espère qu'ils vont améliorer la fabrication des maisons et autres en créant les objets qu'il faut automatiquement. C'est vrai que ce serait pas mal ça, ouais. C'est vrai que on lance la fabrication, boum, et t'as les artisans qui vont le faire tout seul, ouais. Ouais, je trouve que ce serait pas mal. Je pense qu'il faudrait aller en fait sur leur forum et proposer. Parce que à mon avis, ça doit pas être grand-chose à faire. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait la liste complète de tout ce qui est possible à faire quand on construit une maison. Parce qu'on n'a pas tout. Si par exemple sur les plaçables, ça ne met que ce que tu as déjà construit. Ça ne met pas l'intégralité de ce qui est possible. Ok. Là c'est déjà. Bah, s'ils le font, ça ce sera génial. Parce que c'est vrai que devoir à chaque fois regarder qu'est-ce qu'on doit construire comme truc, c'est. Alors que les petits bonhommes pourraient le faire tout seul, ce serait pas mal. C'est vrai qu'au début, c'est super sympa quand on démarre le jeu. Mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient lourdingue. Alors, je vais faire une petite pause parce que disons qu'il y a une envie pressante. Donc, je reviens dans peu. Non, je n'ai pas emmené le micro, Bug. Non, non. Allez, je suis de retour, c'est parti. Vais quand même boire un peu, bah, ça va me donner envie d'y aller encore après, mais bon, c'est pas grave. Je pense pouvoir tenir encore 1 heure sans avoir besoin d'y aller. Alors, petit bonhomme ou pas petit bonhomme bientôt? Non, je pense pas, je pense pas, je pense que ça ne suffira pas pour le moment. Il va falloir que je fasse des constructions un petit peu plus sympas. Mais bon. Puis là, j'ai pas assez. Faut vraiment que je fasse des maisons pour avoir pour avoir en fait des constructeurs supplémentaires. Non, puis de toute façon, j'ai pas un micro sans fil, donc. Et le fil est pas assez long. Même si mon appart est tout petit, hein, j'ai que 26 mètres carrés. Le fil est pas assez long pour que j'aille jusqu'aux toilettes. Hein, faut pas exagérer non plus. Alors, petit bonhomme, mais ben non. Il manque encore de la richesse. Donc, normalement, il devrait en avoir un le lendemain. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un décalage? Faudra que je vérifie après. Normalement, je l'ai plus, hein. J'ai pris le bon profil. Je revérifie au cas où. Ah merde, il veut pas me le montrer. Oui, non, c'est bon. Profil PC stream. Voilà. Alors, ah, loupé. Reviens, reviens, Léon. Un négociant. Alors, bien le bonjour, Hayek Live. C'est moi. Je ne fais que passer, mais nous pourrions peut-être faire un peu de troc. Si vous pouvez m'avoir 3 portes en bois, je serai de haut dans 2 jours et je pourrai vous fournir 6 lanternes extérieures en bois en échange. Qu'en dites-vous? Non. 3 portes en bois. Une lanterne, ça aurait pu être pas mal, mais bon.
Masse maison, ouais, presque. Ouais, déjà des petites maisons comme ça fait bien monter. Donc normalement en faire une deuxième, ça devrait suffire pour déjà avoir un petit bonhomme supplémentaire. Allez, hop, on va déjà la placer. Hop. Voilà. Ils auront des maisons face à face. Bon, elles sont bien près, mais c'est pas grave. Puis je ferai une route après au milieu et tout. Plain avec un A, il faut le faire celui-là. Excuse-moi, le trappeur est de retour. J'avais un problème. Le conseil de Gallifrey. Le conseil de Gallifrey m'a appelé. Il y avait une attaque de picabou dans la trouée du Ronin. Mon Dieu. Où ça tape quelque part? Ça bastonne. Ici. Oh, faudrait peut-être que j'y aille avec les petits guerriers là. Ah mon Dieu, il y a 4 loups. Faudrait qu'il arrive à en défoncer un. Moi, j'aurais pas le trésor. Il arrive même pas à en tuer un. Ah, il l'a empoisonné. Ah si, il va peut-être en tuer un. C'est bon, il en a tué un, mais il est mort derrière. Deux petits guerriers équipés, je pense que ça devrait. Non, est-ce qu'il a fini, Georges, là? Est-ce que tu as fini la forge? Il a tout fini. Cool. On va envoyer les deux guerriers alors. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir touché le coffre. Donc ça, ce serait cool. Ça nous permettrait de récupérer, hop, les ressources qu'il y a dans le coffre. Ça c'est cool. Allez, c'est parti nos potes. Tada tada! Surtout qu'il y en a un qui est avec sa masse, qui est en cuivre. Bon, ils ont faim, vous aurez bouffé après les gars, hein, c'est pas grave. Hein. Allez, pétez-moi ces loups. Défoncez-leur la gueule. Ah, on va peut-être les faire attaquer plus près. Parce que sinon. Voilà. Allez, défoncez-moi ces loups. En plus c'est bien, ils sont deux attaqués. Donc ça devrait être bon. J'aimerais bien qu'ils passent niveau 2 pour aller. Bim! C'est bon, il va avoir des nouvelles techniques, il a gagné du point de vie. C'est parfait. Bam! Et notre ami Koroda, un ennemi. Oui, bah c'est le bon. Oui. Voilà, allez, défoncez-moi ça. Après, il y a le coffre. Parfait. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Dans le coffre, bon, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Mais c'est mieux que rien. Bah, il est où le truc pour ramasser maintenant? Pour qu'on leur donne l'ordre de ramasser? Ah, il n'y est plus. Ah, il est là maintenant, ok. D'accord, ils l'ont changé de coin. Parce que d'habitude, il était sur le guerrier. Ok, c'est parfait. Deux petits bonhommes qui ont pris. Il faut le président à voter. Non, mais de toute façon, vous inquiétez pas. Le président, c'est moi. Donc, cherchez pas. Ne cherchez pas. Bon, on va avoir pas mal de cuivre. On va continuer à fabriquer. Ben il faudrait peut-être une de. Ah ben de toute façon c'est pour niveau 3. Oh ben c'est bien, je peux en faire une autre. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas construit. Ils m'ont pas construit ça. Bon ça c'est pour niveau 3. Ça c'est quoi? Niveau 2. Mais il faut des lingots de fer. Oh, je peux faire du lingot de fer. Ah ben, on va en faire 5. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon ça on s'en fout pour le moment. Le gong du scout, inspiré par le scout Kobol. Alors, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, il faut du fer. Ah ben on va pouvoir faire notre bouclier en acier. Pour pouvoir transformer un de nos petits bonhommes en knight. Allez, hop, c'est parti. On fabrique. On va donner l'ordre de fabriquer ça juste après. Comme ça, ils s'équiperont comme il faut. Il y en a toujours un qui sera en retard par rapport à l'autre. Pour mon programme, c'est stop les fautes d'orthographe. Mon herboriste, il n'est pas très haut, je crois. Il doit presque commencer à être niveau. Pas loin du niveau 2, je pense. Je vais regarder. Tu es où? Tu es là. Ah bah il est niveau 2. Allez. Et on va transformer quelqu'un qui a. Goshin, tu veux devenir arboriste? On va voir la gueule de notre petit clerc.
sera l'herboriste de remplacement. Au cas où. Merde, je la déplace, n'importe quoi. Allez, Korishin, tu passes. Tu vas passer herboriste, parce que j'en ai besoin d'un de toute façon derrière. Change de précaution et tu vas devenir le nouvel herboriste. Voilà! Alors, notre petite Claire, elle est où? Montre-toi, elle est là. Donc, June Fenrid, apprenti Claire. Alors, il y a quoi comme stat sur ce machin-là? Donc, équipement, robe de Claire avec livre de guérison, compétences. Donc, niveau 0, les clérics présence, heal everyone around them periodically. Ok. Après, au niveau force mineure, the cleric présente. D'accord, elle peut booster. Niveau 2. Ok. Aura de soins. D'accord, carrément, ça augmente pas mal. Aura de soins, rang 3. Ok, ça augmente la force majeure. D'accord, ça augmente la force des bonhommes. Et le clair a maîtrisé l'art de guérir. Sa compassion a considérablement augmenté. Après, quand t'es médecin, ça peut être sympa. Mais autant, je verrai, peut-être que je la referai. Je la garde pour le moment. Et dès que ton personnage passe niveau 2, Korushin, je réinverserai. C'est-à-dire que je la referai passer elle qui était... je la referai redevenir herboriste et je te ferai passer Claire. T'as une meilleure âme. Donc voilà. Alors, ils ont fait des petites constructions. On va démarrer cette nouvelle. Alors je pense pas non plus qu'on l'ait. J'ai oublié de la lancer quand ils ont fini. Donc allez, c'est parti au boulot les gars. Bon, elle ressemble à quoi, Claire? Oh, elle est là, elle est toute mimi. C'est elle, c'est ça? Eh ouais. Alors, elle est toute mimi et tout. J'adore. Ce jeu me fera craquer, c'est une horreur. Elle fait quoi? Oh non, pardon, elle est où? Elle ne fait que du transport. D'accord, alors je vais la laisser pour qu'elle transporte un peu quand même. Et est-ce qu'on a dans la rapport journalier? Ouh, bah non, pas assez de bouffe et pas assez. Donc pas de bonhomme les gars. Faut absolument que je fasse un deuxième fermier aussi. Bonjour, alors il voudrait 5 lances de fer. Je serais de retour avec 5 coffres en cuir lié. Non mais n'importe quoi, ouais. Oh non, reste au grand Rémi. J'ai oublié de ramasser tout ça ici. C'est pour ça, pas assez de bouffe. Bon, j'avais pas assez de... pour le village de toute manière, donc c'était pas trop grave. Bon, on n'a pas l'air de trop se faire emmerder par les bestioles. Hein. La construction des murs quand même aide énormément. Là-bas, je devrais avoir atteint... Voilà, j'ai atteint mon gisement de cuivre. Ah, ils ont pas fini, on va les laisser terminer avant d'en construire un nouveau. Si, le truc que je pourrais faire pour que ça aille plus vite, c'est que nos petits amis, hein, vous voyez là. Alors, je vais faire plutôt une route par là. Ouais, on va faire ça. J'avais déjà fait ça dans un autre, maintenant ça bug moins, donc c'est ça qui est pas mal. Allez, moi j'aime bien sûr... Ouais, puis non, mais non, pas en bois qu'elle voulait. Enlève-moi ça. Je veux de la route en pierre, moi. Je veux de la route pavée. Tiens, c'est bizarre, j'avais vu un gars faire. On fera plus tard, c'est pas grave. On laisse comme ça. Non, mais... On va faire une première partie de la route. Voilà. Ok, on va faire hop. On va faire une deuxième partie pour la route. Si vous me redonnez la main, voilà. Quoi que non, je vais attendre en fait. Parce que je vais faire plutôt. Hop. Que j'aurais dû faire là, mais c'est pas grave. Pourquoi ils font une échelle ici? Allô les gars, pourquoi vous faites une échelle là? Il y a des moments où on se pose des questions. Je suis Rémi, que niveau 3.
Non mais arrêtez de bouffer les gars. Vous bouffez trop, vous allez grossir et tout. Non mais sérieux. Alors on redescend. Tac, on revient ici. J'ai plus de place. Non, j'ai encore de la place pour la bouffe. Bon, ça va. Ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit, non c'est bon, en plus j'ai, voilà, bouffe. Et là, il devrait avoir bouffe. Là, je pense que ça va être plein. 63, 0. Oui, mais j'ai pas dit les ressources qu'on pouvait mettre dedans. 64, c'est plein. C'est pas plein, mais on va commencer déjà à poser. Parce que je dois avoir pas mal de... Bon, reviens, c'est celui-là. Voilà. On va poser d'autres coffres. Parce que les ressources, de toute façon, à mon avis, on va en avoir besoin de toute manière. Mais il me dépose vite, c'est cool. Allez, toutes les ressources par là. Toutes les ressources par ici. Toutes les ressources encore ici. Et des ressources toujours par là. Après, on va faire ça. Tu vois, tu vas. Tu vois, regarde toi, toi. Toi, tu viens ici. Et toi, là, eh ben, tu vas aller à côté. C'est le déplacement des coffres. Je les ai mal placés, mais c'est pas grave. On s'en fout. C'est la zone de stockage. C'est le bordel. Voilà. Comme ça me permettra d'avoir déjà les coffres qui sont par ici. Alors, au revoir mes frères, il est venu le temps. Dites à Rayek que nous sommes tous avec lui. Hashtag je suis Rény. Bah non, hashtag je suis Rayek, banane. Iphone, voilà. Ou pas. Bonhomme 29 le meilleur, fait des blagues et devient comme moi un homme talentueux, beau, humble et pas très intelligent. Mouais. Alors. Là, ils ont quasiment pas fini. J'allais dire, ça va, ils ont quasiment fini. Pas ou non. En fait, non. Ok, ça c'est bon. Alors, on va remonter pour aller jusqu'à la mine. Ah, là, il y a un problème, là. Là, danger. Danger, bonhomme en danger. Ici. Parfait, voilà. Ça, c'est bon truc pour que des bonhommes, ils crèvent comme des... Alors, pour enlever, c'est ici, voilà. Alors, avec ça, eh ben, on va faire... Hop là. Non, c'est là que je veux. On va faire ça. On veut de la pierre. L'argile, ça sert à rien. J'en ai pas pour le moment. Et on va prendre ça. Allez. Voilà. Allez, terminer l'édition. C'est parti. Construisez-moi l'escalier et on enlèvera l'échelle après. Ah oui, t'as. Oui, il faut, ouais. On a trouvé un petit compagnon pour toi. Je sais pas où il balade, mais tu as un lapin comme compagnon. Je sais plus où il est. Il doit être quelque part par ici. Mais alors où, je ne sais plus. Là, là, il est là, il est là, je suis sûr que c'est lui. Voilà, et l'ami de Yifol. De le voir livrer ce jeu, ils ont prévu deux autres cultures au moins et un biome neige. Ah, c'est cool ça. Sérieux, ouais. Mais si, franchement, plus ça va et en plus, pour une fois, on a l'impression qu'ils, j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. Parce que je sais pas si vous connaissez Timber and Stone. Eh ben, on a l'impression que les mecs, ben, voilà quoi, ils ont abandonné le jeu. Donc un peu déçu, un peu déçu. Ça construit pas beaucoup les gars là. Ah si, ça y est, c'est parti. Et ils vont faire notre petit escalier pour atteindre plus facilement là-haut. Donc ça déjà, ça bug plus. J'ai trouvé. Ça marchait correctement. Donc vous aurez pas besoin de bois les gars normalement. Pour construire. À moins que vous me le fassiez dans le désordre, mais...
Donne un nom au lapin. Le pote à Guy Folle. Il est où d'ailleurs? Il s'est barré où ce lapin? Sérieux, tu es où le lapin? Bah déjà, faudrait le retrouver. Il est allé dormir dans une baraque, peut-être. Allez, on va les laisser terminer quand même la construction. J'espère avoir un petit bonhomme en plus là, ce serait top. Là, je sais pas pourquoi il y a un bug. Toi, je te déplace. Viens là. Parce que je crois qu'il y a un bug. Toi, t'as des trucs à vendre. Est-ce que j'ai des trucs à vendre, moi? Pourquoi ils ont pas équipé? Ben, ils devraient pas être là, ils auraient dû les équiper. Bug? Bug! si, il y avait un truc que je voulais vendre, que je trouvais qui me servait plus à rien. C'est où? C'était quoi déjà? Ah oui, c'est ça, voilà. On va gagner un peu. Alors, eh ben non. Pas assez de bouffe, faut que je fasse un deuxième. Alors, je vais avoir plus personne pour ramasser. Bon, faut dire que j'ai plus rien à ramasser pour le moment. Je vais faire un deuxième champ où je vais décaler tous les champs par ici. Ça, c'est... Pardon. Je t'avais pas fait passer herbeau. Ah mais j'ai pas le bâton d'herbeau. Pardon. Vite, il me faut un herbeau. Le bâton d'herbeau, c'est lui. C'est dingue ça. C'est-à-dire que quand tu passes en clair, tu perds le bâton d'herboriste. Ok. Hashtag faillé son compagnon. C'est pour le clair, la tiare. D'accord. Bah. Précise pas ça. Les trucs ici. Tiare en bronze. Ah ouais. D'accord. Ah bah, toutes les tiares, c'est pour seulement la. D'accord. Il faut qu'elle prenne son niveau. Ok, d'accord. Les guerriers, c'est plus tard. Ok, bon. Eh ben, on va fabriquer les 5. Comme ça, on aura des lingots. Non, si je vais trop loin, ça va pas le faire. Faut qu'il bosse et qu'il prenne du niveau, notre gars, là. Pareil, ça. De toute façon, là, on a du bois. On n'est pas emmerdé. Hein. Le fer. Eh ben, il va me faire du fer. C'est parti. Voilà. Allez, bosse et monte de niveau. Que je puisse faire des armes vachement plus balèzes. Pour mes copains. J'en suis où? Oui, je voulais décider de choisir. Alors déjà, Koruchine, je vais te faire passer, comme je l'avais dit, en herboriste. Voilà. Ça, tu pourras soigner les petits bonhommes aussi. Et dès que tu passes niveau 2, je te fais passer clair. Bon, forgeron est passé enfin niveau 3. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir me faire au niveau 3, mon ami le forgeron? Notre ami le forgeron, il peut faire une jolie... Ah ben non, pas encore. Bouclier peut-être? Non. Et casque, oui. Mais faut être niveau 3. J'ai pas de guerrier niveau 3 pour le moment. Donc, ça sert à rien. On va le laisser bosser. Et on fera au moment voulu. Ok, donc les petits bonhommes, ils ont faim. Il me faut un deuxième. Donc ça va être chaud hein, parce que je regarde mon village. Bog, tu veux passer fermier? Je te change en petit fermier? Oui, non, t'es toujours là, t'es pas là. Oui, c'est vrai qu'il faut 30 secondes le temps que. Et après je te fais passer. Bon, cuisinier peut-être pas. Ou je te fais passer cuisinier après? On va attendre les réponses hein, le temps que ça arrive. Ok, allez. Fermier, et après tu deviendras le cuisinier. Donc, on va aller te faire bosser. On va faire un deuxième champ. Parce qu'il faut vraiment de la bouffe. Je vais le faire en haut. Alors, avant, on va déplacer les fleurs qui servent à rien. Ça servira pour de la déco plus tard. En fait, je pense que je vais déplacer les champs là-haut. Ou alors je fais comme j'ai fait sur la saison 1, la saison 2 pardon, et je fais de l'eau autour. Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire du gros design, on est surtout là pour découvrir les nouveautés un petit peu de l'Alpha 16. Et je déplace tout ça. Allez, virez-moi ça quand j'arrive à les cliquer dessus.
Quand ils sont tout petits, c'est plus dur. Déplacez-moi toutes ces plantes-là et on remettra des trucs. On fera des jolies constructions plus tard. Là, pour le moment, on essaye d'avoir toutes les classes. Donc, ça prendra peut-être encore... Enfin, cet épisode et sûrement le prochain. Il y aura encore un peu. Voilà, là on a plein de fleurs. On pourra récolter. D'ailleurs, on va les récolter, leur donner l'ordre de récolte de bouffe. C'est ça qui va sûrement manquer. Voilà. Après, je vais quand même donner l'ordre de faire encore une petite construction pour s'assurer. Voilà, comme ça on aura fait le bungalow des petits bonhommes. Voilà, avec tout ça, s'ils n'arrivent pas à dormir, s'il n'y a pas assez de place pour dormir, il y a presque plus de maisons et de lits que de... Non mais si je ne lance pas l'ordre, ça ne va pas le faire. Voilà, ça fera monter notre précieux... Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah oui, c'est que j'avais commencé à faire un truc, mais je n'avais pas fini. Non, je veux du... Voilà. Et on va faire... Va jusque là. Ouais, va jusque là. Et tu me fais aussi une route qui va faire tout le long. Comme ça, ils pourront déplacer tranquille. Donc, maintenant, on ne va plus être en manque de pierre, hein, de toute façon. Donc on fait, on prépare les routes. Et tu vas la porte. Voilà. Et on va faire une route qui va jusqu'à la... Non, bah on va plutôt faire la route de là, ce sera plus rapide. Si elle est ici, on fait 4. Et on prévoit la route pour après. On va les laisser finir la petite maison, mais la route est déjà prête. Puis on fera des constructions par là. Tranquille. Alerte à l'herboriste, les enfants. Quoi? Attends, est-ce qu'on va pouvoir augmenter à notre ami l'herboriste pour son atelier? Il faut combien, là? Oh oui, avec toutes les plantes. Allez, tu vas m'en maintenir 20. Comme ça, ça le fera monter de niveau. Et je vais enlever ça. Ça sert à rien. Et pour les bandages ici, tu peux pas encore les faire puisque tu n'as pas le niveau. Mais ça devrait tarder. Et vu ce qu'on a récupéré là-dedans, je pense que je vais me faire monter jusqu'à 10. Facile. Ça, ça te fera très très vite monter de niveau, je pense. Faudra qu'il m'en maintienne 10. Et comme ça, à mon avis, je te ferai vite passer cléric. Alors non, non, si je regarde les guerriers... Ah bah ouais, d'accord, il y a le clerc qui est dans la liste, qui appartient à la petite troupe. D'accord. Ok, c'est nickel. Ils sont en train de les fumer à deux les plantes. Tu as deux herboristes. Non, j'ai un herboriste et un cléric. Enfin, moi que je me sois trompé. Ah bah oui, pardon. Comment ça se fait? Il est apprenti, toi, toi? Bah non, bah alors toi tu redeviens... C'était une erreur! Changer de profession, c'est que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai pas pris le bon. Voilà. C'est que j'ai pas pris le bon. Ouh, ça c'est pas bon ça. Et une petite sauvegarde. Oh, pas chargé, non? Rayek Live, pas se tromper. Je voudrais pas péter City of Rayek. Merci, Tétanesque. C'est bien, ça fera un petit bonhomme de plus, donc pour le travail, parce que... Alors, un négociant approche de la ville. Ah, il veut deux portes en bois. Dans 3 jours, je peux vous fournir 9 rouleaux de tissu. Ouais. Allez, fais-moi les 2 portes en bois, Georges. Donc, si je vais pas dans les bons menus, ça va pas le faire du tout. Puis je voulais faire mes... Alors attends, 2 portes en bois. C'est peut-être les simples. Hein. Voilà. Fais les 2 portes en bois. Voilà. Alors, j'en étais où? J'avais créé donc un deuxième fermier. Mais non, j'ai plus qu'un seul fermier. C'est quoi ce bug? C'est pour ça que j'avais plus de...
C'est vrai que j'avais pu avoir de bouffe. J'ai un mec qui était fermier qui l'est plus. Ah ta 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 ta. C'était pas ça là. Non, c'est pas ça que je voulais aller voir. Je crois que le bordel il est là. C'est que lui il était fermier à la base. Il était fermier le monsieur. Et il a changé de métier. Ah oui, il peut passer cuisinier. Donc, non, non. Donc, c'est normal. J'ai eu un problème. C'est le fermier que j'ai passé en... Je me suis trompé parce que je veux deux fermiers pour qu'il y ait plus de bouffe. Parce que là, je suis en manque de bouffe. Alors, on va faire des champs là-haut. On va les faire par là. Alors, 11. On va les faire au max. Alors, normalement, j'ai déjà du navet. J'ai de la carotte du... On va faire... je crois du blé. Non, j'ai déjà le blé, je crois. C'est un champ de quoi, ça? Zut. Là, j'ai un champ de carottes. Ça, c'est un champ de blé. Ça, c'est un champ de navet. Et ça, c'est un champ de tissu. Ah mince, il me l'a construit quand même, mais j'ai pas donné. Donc j'ai navet, carotte, blé, donc je vais faire du maïs ici. On va en faire un. J'ai pas de citrouille, donc on va faire de la citrouille. On va faire. Fil de soie, j'ai déjà. Du personnage. Je sais pas à quoi ça servira, mais on va en faire. Et on va faire pour les arbres, j'ai pas besoin pour le moment. Je vais me refaire un deuxième de maïs parce que je pense que c'est un truc super important. Lui, il a faim. Ouah, on y va, à la bouffe. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que j'arrivais pas à voir de. Merci les gars d'avoir vu que j'avais fait deux arboristes. Parce que ça va aider, à mon avis, à faire le nécessaire. Bon, là, ils ont presque terminé. Je voudrais peut-être lancer l'ordre un peu après. Je vais peut-être aussi. J'aurai besoin après d'un deuxième trappeur. Parce que Ifo, je vais le faire passer. Ouh! Ouh! Et pourquoi ils s'attaquent pas les deux là? Parce que t'as les loups. T'as le zombie qui est là. Le zombie n'attaque pas les loups. Ou alors nous avons le droit à un loup aveugle ou un zombie aveugle, hein, mais. Tiens, on va tester. On va faire monter un peu de niveau tout le monde. Surtout que maintenant, on a la prêtresse. Donc à 3, il devrait pouvoir arriver à tout dégommer. Allez, c'est parti. Petite baston. Enfin, on va peut-être les grouper avant, en fait. Groupir ici, les gars. Les petits guerriers, les petits guerriers, le petit clerc. Elle est où, la claire? Groupir ici, on a dit. Voilà. Allez, suivez-moi. Baston, ici. Et on va voir comment il joue. Comment il règle. C'est parti, ils sont à l'attaque. Allez, c'est parti, baston. Alors, elle fait comment, la petite Claire? Bon, elle est en train de taper aussi. Ah bah, elle a lancé un petit sort de soin. D'accord. Bon, elle tape aussi quand même, la Claire. Hein. Elle tape avec son bouquin. Elle soigne de temps en temps. Bon, là, maintenant, on va se taper le zombie géant. Oui, bon, ça, on l'a vu, l'ennemi. Allez, ça bastonne. Bon, nos bonhommes ont quasiment rien perdu, c'est la folie. Ils m'ont même pas descendu d'un cœur. Voilà. Et ben voilà. Alors, ils ont pas pris de niveau. Est-ce qu'elle a monté un peu? Non, c'est pas le chien que je voulais, c'est elle. Là, viens ici. Je veux voir un peu. Est-ce que tu as monté en niveau? Ah, elle a pris un peu d'XP. Ok. Tranquille. Bon, je pense que là maintenant on sera plus emmerdé à niveau combat, hein, avec deux guerriers et une claire, je pense que ce sera tranquille. Ouais, groupir, faut rester groupir. Oui, tout à fait. Ah bah dis donc, monsieur Ifol, on le voit souvent prendre du niveau, hein. Allez, c'est en train de bosser. Ici, tout a repoussé. On va vite récolter. J'arrête pas de me tromper, c'est horrible. On récolte tout ça.
Voilà, ça fera pour de la bouffe. Dès qu'on peut, on fera un petit cuistot. Dès que tu passes le niveau 2. Ah, ils en ont fait qu'un, ils n'ont pas fait le reste. Bon, après, faut qu'ils remontent, mais c'est pas le problème. L'échelle, on n'en a plus besoin. Regarde-moi l'échelle. Vous avez un autre truc pour monter maintenant. Donc, vous avez fini les constructions, les gars. Donc, c'est parti. On va donner l'ordre à fabriquer la route. À 17 pierres, quand même. Falloir aller creuser un petit chouïa après. Et quand ils auront fini, on fera. Ah oui, puis il risque d'y en avoir un qui va se coincer. Et je ferai un escalier comme tout à l'heure. Allez, creusez les gars. Alors ce qui est marrant, c'est que quand ils creusent comme ça, pour ils ne trouvent jamais de ressources. Je sais pas si vous avez vu. Tu fais des rimes récoltées trompées. Ce qui est marrant, c'est que ouais, quand ils font ça, ils ne dropent pas de ressources. C'est bizarre, mais bon. Allez au boulot les gars. Allez, hop, un autre petit champ. Là, il est fait. Normalement, il devrait partir pour faire l'autre champ. Voilà, les autres champs. Ok, c'est bon. Bon, ça va, le village commence à prendre un petit peu forme. Alors, pour le moment, j'ai pas fait encore de grosses constructions, de trucs comme ça. Parce que je me permettrai, on essaiera de faire des petites constructions. On essaiera de voir s'ils ont corrigé quelques petits bugs pour faire des constructions un petit peu balèzes. De toute façon, là, j'ai mis les 4 champs ici. Je détruirai après, j'en remettrai 4 là. Et je ferai la ferme et la cuisine par là. Comme ça, il y aura tous les champs au même endroit et je mettrai plein de coffres pour qu'ils puissent mettre les ressources dedans. D'ailleurs, on va faire un. Je suis bête en fait. Je devrais juste faire X-ray comme ça. Et voilà. Et je vois ma zone ici. Donc ça, il est bien. Il est bien. Ouais, ça, c'est ceux que j'avais déplacés. Est-ce que toi, tu peux récupérer de la ressource? Oui. 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 Non, pas cliquer sur le bonhomme. Oui. Bon, j'ai de la marge. Niveau bouffe, t'es à fond. Il y a de la marge, il y a de la marge, il y a encore de la marge, et il y a pas mal de marge. Alors une trappeuse est descendue, blablabla. Alors est-ce que j'ai pas des petits trucs à vendre là? Ouh, j'ai le pouvoir, le Knight, bientôt, bientôt. Alors, ouh. On va en vendre un peu, ça va faire des sous. Alors, petit bonhomme ou pas petit bonhomme? Qu'en ayant vendu ça, j'ai peur qu'il n'y ait pas de petit bonhomme en fait. Désolé. Hop, on va enlever l'X-ray. Allez, reviens. Voilà. Bon, c'est en train de bosser. Ça y est, la route, elle avance super bien. Ils ont déjà fait une partie de la route d'ailleurs. Bien surveiller ici qu'un bonhomme ne reste pas coincé. C'est moi, Démonix 7. Salut Retek, bienvenue. Tu n'as pas de champ de blé ici, là. Non, ça c'est du navet. Du blé, semi-blé. J'en ai ici et j'en ai fait un là. J'en ai fait deux d'ailleurs. Non, là alors. Citrouille, donc non, c'est celui-là. Semi-personnage, alors il est là. Mais sinon j'ai déjà un champ de blé. Ouais, le blé va être super bien pour faire le pain, etc. Mais j'ai déjà du blé, t'inquiète. J'avais vérifié en fait. Bon, normalement on devrait avoir le petit bonhomme supplémentaire à la prochaine fois. C'est quoi, j'avais fait quoi? Ah si, si, j'ai deux champs de blé en fait. Mais faut attendre que ça pousse. Là c'est bon, ils ont déjà tout planté, c'est tranquille. Allez, il n'y a pas du mob là à côté, qu'on fasse monter un peu de niveau notre guerrier pour qu'on soit vachement plus tranquille. Non mais là ça manque là les monstres. Bon alors, en ayant construit les murailles, c'est clair qu'on est peinard. Hein. Ça, on va pas se faire emmerder trop par les bestioles. Là j'ai notre mine qui. Enfin j'ai la mine qui commence à être pas mal. On va aller. Bah ça y est, je crois qu'ils ont fini. Ils ont tout creusé. Donc je vais leur donner l'ordre de creuser par là pour récupérer un max de cuivre.
puis on sait jamais, on tombera peut-être sur une autre veine. Pourquoi il me l'a pas pris? Je suis bête. Là, j'ai le terrain qui est fait pour. Ah, si, c'est bon, il me l'a bien pris. Voilà, il y en a qui vont aller miner pendant qu'il y en a qui travaillent. Bon, là, ils ont faim. Donc, non, ils vont pas aller. Chier. Bon, finissez-moi ça. Picabou au cas où. Ah, le lapin, il est là. Le lapin. Ah, c'est l'ami d'Ifol. On peut le renommer. On l'appelle comment? En plus, il est plus là, donc on peut donner le nom qu'on veut. Vous voulez mettre quoi comme nom? Alors, pas un truc trop dégueulasse non plus, hein, faut pas exagérer. Mais on a réussi à choper l'ami d'Ifol. Ça lui fera la surprise pour la quand il regardera la vidéo, peut-être. Je sais pas. La pifole. Non, Ifol 2, c'est pas terrible. La pifole. Oui, Picabou. Voilà, Picabou. Alors, bah, la règle pour être dans le jeu, c'est quand il y a marqué qu'il y a un nouveau bonhomme, s'il y en a un. Le premier qui marque Picabou, comme il y a marqué ton collègue juste au-dessus, le premier qui a réussi à marquer a le droit à un petit personnage dans le jeu. Voilà. Bah, le personnage qui vient d'arriver. Et après, on verra si jamais je lui donne un métier plus tard. Et j'ai dit que quand on arriverait à 15, y aura un petit moment, on verra un petit truc pour que quelqu'un puisse récupérer un des personnages qui a déjà pris une classe et il le devienne. Voilà. J'ai entendu bruit de monstre. J'ai entendu le bruit de... Voilà. Oui. Oui, baston. Mais non, mais faut pas d'habitude. Allez, pardon, on va faire du groupir avant, les gars. Groupir. Allez. Au boulot, putain, elle est tout là-haut en plus. Le temps qu'elle arrive. On a 3 morts vivants à défoncer. Allez, viens par là. Viens des... Ah, normalement, les soigneuses, les morts vivants, elles devraient les défoncer. Envahisseur en approche. Ah bah ça y est, c'est capté, c'est parti. Bon, elle arrivera un peu en retard, mais c'est pas grave, elle pourra soigner tranquillou. Et là, elle fait un gros sort, elle tue tous les morts vivants d'un coup, tu sais. Oh, hop, allez, elle a fait un petit soin. Hop, elle a re-soigné. C'est bon, là, on va jamais crever, quoi. Elle l'a remonté à fond, quoi. Non, non, mais dors pas en plein milieu. Boulet. Il est niveau 2. Tiens, on va récupérer la bobine de fil. Oh, là, les cuirs des loups. Attends, je m'emmerde pour rien, là, en fait. Voilà, on va faire comme ça, ça sera plus rapide. Voilà. Viennent les ramasser. Ah mais ils dorment tous dehors, bonjour. Non, là en fait on a la flemme de rentrer jusqu'au lit, on pionce dehors. Ok, ça c'est de la sacrée équipe de guerriers quoi. Alors, en attendant, comme il n'y a pas grand chose de spécial à faire, et ça ils ont fini les routes, eh ben on va commencer, alors je vais virer ces arbres là, parce qu'ils me gênent. De toute façon après on pourra refaire, c'est pas le problème. Je peux pas me le... Celui-là, non. Voilà. Alors, et de passage, j'avais quelques meubles à vendre. Ça, les meubles, on s'en fout. On peut les faire, mais... On peut en faire 3 tonnes. Allez, hop, c'est parti. Alors là, en moment, on devrait plus avoir problème avec 2 fermiers. Pour le moment, on devrait vraiment plus avoir de problème de bouffe. Ça devrait monter assez vite. On va leur demander de récolter. Si je me plante de trucs, ça va pas être terrible pour mon village. On va leur demander de récolter tout ça. Même les fleurs.
ça devrait être bon. On va essayer de faire monter un petit peu, hein, parce qu'il doit avoir, voilà, là il y a du minerai, ça, ouh, du cuivre. Tu en as largement pour prendre, je pense, tes niveaux tranquillou, non, 10, oui, 17. Ça, tu peux m'en faire combien? Eh ben, tu vas m'en faire 5. Voilà, qui bosse un peu, notre ami le forgeron. Ça, tu peux m'en faire 1. Eh ben, tu m'en fais 1. Et après, la masse. Alors, masse en fer, non, mais j'ai bien envie de faire un petit bouclier. Lourd, mais efficace. Parce qu'il y a un guerrier qui est niveau 2. Donc, il aura un bouclier un petit peu plus costaud. Donc, ça, c'est nickel. Et... on fera le fer, j'ai pas assez de toute façon pour le moment. Donc il faudra miner un petit chouïa. Ok, donc en attendant qu'il fasse ça, on va essayer de faire une jolie petite construction ici pour nos fermiers. Allez, donc en bois, hein, bien sûr. Alors on va leur faire une petite maison tranquillou. Petit truc pas dégueulasse. Pour les fermiers et le cuisinier, on va faire ah bah tiens, on va faire une espèce d'auberge ou un truc comme ça. 35 sur 20, ça devrait être pas mal. Alors, petit bonhomme ou pas petit bonhomme, préparez-vous au picabou. Allez, 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 le premier qui met picabou, c'est un Bromrel, c'est un petit bonhomme qui met picabou. Allez, allez. Bien sûr, ceux qui ont déjà participé, Picabou, eh ben Retek, t'as été le premier. Retek, quel nom tu veux que je mette? Dis-moi le nom que tu veux que je fasse. Alors c'est vrai que c'est le temps que ça arrive, c'est vrai qu'il y a 30 secondes à peu près, entre 30 et 60 secondes d'écart, donc je vais attendre. Rect, ok. Allez, bon t'as des stats moyennes, donc le personnage a des stats moyennes malheureusement. Après il pourra faire des petits métiers, on va dire, simples. Je ne le mettrai sûrement pas dans des gros métiers. Alors, je vais peut-être même faire un autre truc. Alors, j'ai fait le bas ici, comme ça. Je vais même agrandir un tout petit chouïa de 5. Parce que... Alors, je vais essayer un truc. Je ne sais pas si ça va marcher. J'avais vu faire. Mais je crois qu'on peut arriver à faire la maison comme ça. Alors, tout va être en bois. Je veux du matériau, je veux du bois. Tout en bois. Colonne en bois. Et on va faire du bois un peu comme ça. Alors normalement on peut arriver. Ah zut. J'ai deux carrés de trop. Alors on va faire comme ça. Je vais supprimer les deux carrés. J'avais vu quelqu'un. Enfin, j'avais regardé une vidéo à un moment et on peut arriver normalement à faire. Oh, voilà, bah, ça c'est parfait. Zut, loupé. Voilà, reviens dans un mur. Normalement on peut arriver à faire ça. Hop. Hop. Hop là. Voilà, donc j'ai fait ma zone. Je peux caler une petite porte en bois. On va faire mettre une porte en bois simple. Qu'on va mettre ici. Après, ici, je vais faire un truc comme ça en bois. On va prendre le même bois quasiment. On va faire une petite colonne. Normalement c'est encore un. On va voir si ça marche. On espère qu'ils y arrivent. Et ça fera une petite terrasse pour le restaurant. Où on mettra des tables et des chaises. Pour les petits bonhommes. Faudrait que j'arrive à bien caler le truc. Non, voilà. Après on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, et là normalement, hop là, voilà, normalement je devrais pouvoir arriver à mettre le toit sur l'ensemble, j'ai bien dit normalement, eh ben non, ça veut pas, j'avais vu quelqu'un, ah si ça y est, waouh, 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 non pas ici, et si je vais jusque là, il veut pas, mais je peux mettre un petit toit ici,
Et puis je vais carrément recouvrir simplement avec l'autre. Donc ça ferait un truc comme ça. Ici en fait je reste avec ça et je fais ça. Voilà, ça fera une petite... Oh, j'ai peut-être une idée. Oh, j'ai une idée. On va voir si ça marche. Ça risque d'être pas mal. J'espère qu'ils vont arriver à le fabriquer. Et si ça marche, ça va être top. Voilà. Ici, je vais faire... Hop là. Hop. Voilà. Je vais faire... Ah, ça va être le resto, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va pas être le petit truc. Hein. Je fais ça. On va faire le toit en bois. Alors, je vais peut-être pas faire un toit qui fait 10 de haut. Hein. Ça fera un peu beaucoup. Ça sert à rien. Hop. Voilà. Ça, c'est la structure de notre auberge. Elle est quand même pas mal, quoi. Non, non, comme ça, c'est pas mal. Mais vous allez voir pourquoi, en fait, j'ai fait ça. Je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. Et on verra de toute façon. Pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, je vais faire un truc comme ça. Alors, Coco, c'est parti. Tu vas m'en maintenir au moins... Ouah, 20. Parce que là, vous allez voir, ça va pas être de l'auberge, de la petite auberge. Ça va donner. Alors maintenant, faire les portes. Alors ça, c'est ça qui va être le plus chiant. C'est faire tout ce qui est portes et autres. Ici, on va faire une porte simple, ici. Voilà. On va même rajouter un petit peu pour que ça fasse une petite marche d'escalier. Voilà. Après, on va mettre quand même quelques fenêtres. Hein. Faudrait peut-être que nos petits bonhommes ils puissent voir. Hein. Donc, en fenêtre, on va en caler là, là. Non, celle-là, ça sert à rien. C'est trop près du mur. Derrière, ouais. Vous allez vite comprendre après. Ça va être... J'espère que ça va pas planter, hein, qu'ils vont réussir à le faire. Alors normalement, je l'ai fait dans le bon ordre, donc ça devrait être bon. Voilà, donc on a placé tout ça ici. Après, pour éviter bien sûr que nos petits bonhommes se bloquent, on va générer un trou. Ça, c'est une technique que j'ai trouvée à chaque fois, et ça marche à chaque fois. Ça évite que nos bonhommes se bloquent. C'est de faire un trou dans le sol. Comme ça, et après souvent je mets derrière une... Mais alors la hauteur de la maison c'est combien? C'est... Il est arrivé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais faire un trou qui fait... Il démarre ici. 4, 5, 6, 7. On va faire 8. Voilà, j'ai fait mon trou. En dessous, on va prendre... De toute façon, comme on a beaucoup de bois, on va prendre ça. Et je vais faire un truc qui fait 7. Je suis pas jusqu'à 9 normalement. Attends, je suis pas bien placé là, je crois. On va annuler. Annuler. On va essayer de bien se caler. Ah, j'ai fait 9, ok. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Je me suis loupé sur le dernier, c'était 2. Non, c'était 3. Voilà, ils ont un petit escalier pour pouvoir monter. Après, on va passer en mode, on voit quasiment plus rien. Ici, on va faire... Si j'y arrive. ouais, non, le tout... Eh oui, je vais faire une terrasse en balcon, c'est ça, bien joué. Oui, t'inquiète, les fenêtres en haut, j'ai pas oublié. Ici, on va faire un petit bar. Alors, un petit bar, ouais. On va le faire démarrer de là, on va faire comme ça. Et après, un petit truc à deux, comme ça. Bon, on le voit pas, mais... Oula, non, là, erreur, là. Hop, on enlève. On recommence. C'est chaud de construire comme truc. Et... Donc j'avais dit 6.
Et après on fait un truc à deux comme ça. Voilà. Bon, on le voit pas parce que je suis en mode comme ça, ce qui est normal, ce qui montre que la base. Après, je mettrai des tables et des chaises à l'intérieur, des tables et des chaises ici, et des tables et des chaises, bien sûr, à l'autre. Oui, les... vous t'inquiétez. Vous... non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, à l'étage, des fenêtres, bien sûr, ben oui. On va mettre quand même quelques fenêtres. Alors, bonhomme ou pas bonhomme? Normalement. Ouh, le premier qui fait picabou. Léa. Bon, alors, tu, ce sera une fille, hein. Donc, qui veut une fille? Tu veux être une fille? Non mais Rect, ça sert à rien, tu as déjà ton bonhomme. Ça sert à rien de le faire deux fois. Ça ne marche qu'une fois. Alors titanesque, ou alors je te choisis un bonhomme. Montre ses st montre mes stats. Non, tes stats sont moins bien. Ça c'est clair. Tu es où? Tu es là. Donc et je mets titanesque. Rect, voilà, bon t'as des stats, c'est pas la mort. Limite trappeur sera pas mal. Au cas où. Parce que je vais avoir besoin d'un trappeur. Parce que je vais faire passer Ifol fermier. Oui, fermier. Donc Titanex, dis-moi le nom que tu veux, que je mettrai sur le petit persona. Le petit personnage. Dans le chat. Léa, oui, ça peut être un très bon artisan, ouais, c'est clair. Avec 6 d'esprit, tu voudrais être fermier. Bon, de toute façon, l'aventure va durer un certain temps, donc trappeur tu seras, Rect. D'accord, tétanesque, allez, c'est parti, tétanesque. Voilà, ça y est, tu fais partie du petit village. Farpé, bon, on va continuer donc notre construction de la mort qui tue, que j'espère qu'ils vont arriver à faire jusqu'au bout. Alors, on était en train de décider de mettre des fenêtres. Voilà, donc on va mettre des petites fenêtres. Même autant que la porte, une ici, une ici. Voilà, une là. Une là, puis eux, ils sont, de toute façon, ils sont en hauteur, donc. Je les bien à la même hauteur. On va les mettre ici. Hein. Eux, ils peuvent avoir. Oula. Oula, j'ai le mur qui me fait bugger. On va mettre ici et. Non, l'arbre, tu me fais chier, l'arbre. Vire-toi, voilà. Et on va mettre là. Non, c'est plus bas. Voilà. Ça, il y aura les fenêtres. Tout ce qu'il faut. Je peux peut-être même en rajouter une ou deux au milieu. Je pense. Ah, allez, à 1, 2, 3. Quoi que ça fera pas en face. Voilà, il y a peut-être un petit peu plus devant. Allez, une ici, et 1, 2, 3, 4, comme ça ils verront mieux. Voilà, ce sera un peu plus éclairé. Bon, eh ben, on prie pour que ça plante pas, hein? T'as foiré une fenêtre en haut, mauvais décalage. Ah oui, les deux ici. Mais vous inquiétez pas, j'ai la solution. Ah ouais, c'est parce que le truc est vachement plus haut. Bah tiens, comme il est un peu plus haut, on va mettre une fenêtre là, au milieu. Donc celles-là sont décalées aussi. Alors on va les enlever. Et on va les caler au bon endroit. Voilà, comme ça je la vois mieux. Voilà, ici. Donc l'autre sera ici. Et donc là, c'est décalé aussi. Alors ça va être là. Ah et puis en plus je m'étais bien planté là en fait. Fire-moi ça. Non 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 non. Ah ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai cru que ça m'avait effacé complètement la maison. Ah, je vous dis pas la panique là. Mode panique totale. Non non, c'est que j'avais juste cliqué sur l'arbre et ça m'a fait barrer à 15 km. Ouais, je vais la sauvegarder, je pense, ouais. Là, de ce côté-là. Oui, puis sauvegarder aussi la vidéo, oui, t'inquiète. Enfin, la vidéo, le... C'est quoi ce beans?
Ouh. Oh, j'ai un gros bug là. C'est bon. J'ai réussi à la mettre. Wouhou! Et l'autre au milieu. C'est bon, c'est au milieu. Voilà. Alors, première chose que je vais faire, c'est ça. Ouais, voilà. Terminer l'édition. Sauvegarder. L'auberge live. Enfin, ouais, l'auberge. L'auberge live. Voilà. Après, je vais faire une sauvegarde du jeu au cas où ça plante. Comme ça, je pourrais revenir en arrière et on va lancer la construction. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Alors, normalement, vu dans l'ordre dans lequel j'ai fait les choses, j'ai remarqué que si on les fait vraiment dans un ordre très spécifique, ça marche. Allez, c'est parti, les gars. Bon, déjà, ils creusent, c'est que c'est bon. Ça sent le bug à plein nez. Ouais, je sais pas si t'allais regarder ma vidéo, mais la, comment ça s'appelle, le temple que j'ai fait est quand même pas mal. Et ça a bien marché. Donc bon, non, non, on va voir. On les laisse faire, tranquillou. Et ben, si je lance pas le nombre de la construction des fenêtres, ça va pas le faire. Combien il faut de fenêtres? 22 cadres, ok. Bon, les portes, c'est bon. Il me faut 22 cadres. Eh ben il va travailler notre gars. Hein. 22 cadres, 22, viens ici. Donc j'en avais déjà un, donc 21 suffisent. Allez, c'est parti. Ils ont boosté la façon de construire depuis l'Alpha 15. Mais c'est vrai que ouais, j'ai eu moins. Alors, j'ai eu des bugs, hein, où il ne finissait pas. On l'a vu tout à l'heure de toute façon. Alors, ça aime pas si on change en plein milieu d'une construction, qu'on change des choses. Ça fait planter. Mais c'est vrai que maintenant, les grosses structures, ça a l'air beaucoup mieux, enfin plus facilement marcher. Mais j'ai galéré, hein, pour mon temple, j'ai dû quand même le faire 5 fois avant d'arriver à faire le bon. Mais il faut vraiment les construire dans un certain ordre. Ne pas oublier de faire des trous dans les étages. Alors, en faisant des trous, ça permet vraiment d'arriver à faire toutes les structures. Je pense que c'est la grosse différence qu'il y a. Parce que si vous faites une structure fermée, à un moment j'avais testé sans mettre le trou. Et je me suis retrouvé avec 5 bonhommes bloqués au milieu qui ne pouvaient pas sortir. C'était génial. Allez, bon, ils sont en train, il a déjà commencé. Ouais, sinon, ben pour ça va pendant la plupart du temps, est-ce que ça allait au niveau son et vidéo au niveau du live, n'hésitez pas à me dire hein, si de temps en temps il y avait des gros bugs ou autre. Parce que bon, moi je regarde un petit peu, je vois des fois des. Ça ralentit un peu. Moi c'est super fluide chez moi, mais je vois vraiment que des fois il y a des petits ralentis au niveau de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire. Hein, Alors malheureusement, j'ai pas une super grosse connexion. Ça c'est le plus gros souci. J'ai qu'une petite connexion donc qui fait que ben voilà quoi. Je fais avec ce que j'ai. Bon, quand est-ce que l'autre y passe là Boug, quand est-ce que t'as le niveau? Oh bah t'es niveau 2. Tu peux devenir cuistot. Ah bah voilà. On va voir le premier cuistot. Il devrait améliorer le minage aussi car ils font très souvent n'importe quoi. Alors des fois ils se buguent, ça je l'ai vu. Mais même bugué pour le minage, il y a un truc très simple en fait, c'est tu annules ce que tu avais fait et tu lances le. Alors petit bonhomme ou pas petit bonhomme? Oh bah non. Bon la bouffe ça va maintenant, mais on manque ici. Allez le cuistot au boulot. Au boulot le cuistot. Fais-moi ça. Fabrique-moi ça. Et ça tu peux pas pour le moment. Un gobelin se portant un chapeau fantasque vient se pavaner en ville.
Vous être stupide, moi être grand chef flamboyant, ordre naturel dit vous donner marchandise. Et moi pas vous écrabouiller, moi vouloir marchandise, comprendre? Il veut 4 bras et rempire et 2 belles lanternes. Va te faire voir, je vais te défoncer ta gueule. Quoi? Vous dites non? Alors vous prendre toute chose. Ouais, c'est ça, viens quand tu veux. T'as 3 guerriers, et t'es où d'ailleurs? Que je vienne te défoncer ta gueule. Moi je crains plus rien, j'ai même pas peur. Ils sont où d'ailleurs? J'espère qu'ils sont pas dans ma mine quand même. Non, ça va, la mine, y a personne, donc c'est bon. Bon, la construction, ça a l'air d'avancer pour le moment. Je vais envoyer les guerriers défoncer ça ici. Pas de gobelins autour de chez moi. Bon, ils ont pas l'air d'être là. Il y a juste le camp, mais il n'y a pas les gobelins. Ok. Il est où que le chef? Là, ça a toujours pas été. Ah, et ben, il est ici. Alors, il y a quoi? Il y a quand même du monde. Est-ce que je ne transformerai pas? Est-ce que... Bon. Ah, mais il y a un loup là. Ouh, un loup géant en plus. Wouah! Je l'avais pas vu lui. C'est lui qui a dû défoncer les gobes. Bon, on va aller le tuer. Quand tout le monde sera là, ah bah ils y vont tout seuls. Ok, c'est parti. Alors on va voir s'ils tiennent contre la clérique et tout ça. Tiens, ça fera monter de niveau. On voit rien. Voilà, si, c'est bon. Ah, et quand même, il a pris cher. Hein. Elle n'arrive pas à le soigner complètement. Pour le moment. Wouah! Et le loup, il est en train de me bien manger là ou pas? On voit pas ses points de vie au loup. Non, j'étais cliqué sur un marteau en pierre. Chaîne moyen non plus. Eh, les combats sont quand même un petit chouïa plus costaud. Loup géant. Est-ce qu'on peut voir ses stats? Afficher la feuille de perso? Non, on peut pas. Et je vois pas, on voit pas ses points de vie. Et ils ont du mal à le flinguer. Hein. Vont-ils l'avoir? C'est bon, ils l'ont eu. Et ça a pris du temps. Hein. Ça a pris pas mal de temps. Bon, là, ils sont en train de finir là-bas. Ah, bah le... Bon, ok. Il y avait un petit gobelin qui baladait, on lui a dit tiens je te mets ta gueule. Il a eu du mal hein, contre le loup, donc je sais pas si je vais les envoyer comme ça pour le moment. Mais j'ai un deuxième qui est passé niveau 2, donc on va faire du matos pour le niveau 2. On devra avoir le nécessaire. Ça, bah, de toute façon il a dû récupérer. Est-ce qu'il faudrait que je fasse une armure? C'est niveau 3 malheureusement. Les tiars c'est pour la clérique. On va quand même faire peut-être... Ah ben non, j'ai toujours pas mon fer. Pourquoi j'ai pas mon fer? Pourquoi j'ai pas mon fer? Bon là... J'ai de quoi faire. Là on va en faire deux. Pour le moment le cuivre c'est bon, j'ai plus besoin d'aller en chercher. On va les laisser terminer. Alors est-ce que je peux transformer le meilleur guerrier en knight? Tu es quel niveau? Tu es niveau 3. Est-ce que tu as le droit de devenir knight? Pardon, c'est pas ici. J'ai changé la profession. Ah ah. Nécessite niveau 3 et un bouclier de chevalier. Allez, nous allons avoir notre premier knight. Wow. Oh, le petit ralenti. Alors, il ressemble à quoi, notre knight, maintenant? C'est lui, là. Ah, il a de la gueule, maintenant, là, comme ça. Là, il va se la péter. Apprenti chevalier. Eh, qu'est-ce que tu as comme stat? Il a une armure de chevalier à plus 6. Oh, il a déjà une épée courte directe à 14, quand même. Hein. Ça va, ça dépote. Hein. Vérifie tes stocks. Pourquoi? T'as l'impression qu'ils sont pleins, mes stocks? Non, c'est pas là. Ah oui, j'ai peut-être rien pour placer. Ouais. Oui, pas bête pour les stocks. Et il nous a laissé traîner par terre? Non, j'en ai 3. J'en ai 3. Ah, mais il y a des trucs qui traînent au sol. Ouh là, il laisse les trucs traîner au sol. Ok, ouais, je dois plus avoir de place. Alors, c'est parti. Mode rayon X.
Et on va faire. Pourtant, normalement, j'ai mis tout ce qui était. Ah, mais non, j'ai pas mis tout ce qui est lingot ou autre. Alors, on va créer une zone de stockage spécifique. De toute façon, maintenant, comme j'ai dit, la pierre, on n'a pas de problème. Et on va mettre toutes les constructions de nos petits bonhommes. Allez, hop. Alors, il veut vendre quoi, monsieur? Des meubles? On s'en fout des meubles. On va se les construire, les meubles. On est tellement. Le blé, c'est bon. Faut que je m'occupe après du cuisinier, parce qu'il a dû construire. Et on va faire qu'on stocke outils et marchandises là-dedans. Comme ça, tous les outils et les marchandises de nos petits bonhommes iront là-dedans. Voilà. Outils et marchandises. Manque un coffre. Allez, je veux le coffre. Mais t'inquiète, Rek. Tu vas devenir un trappeur après. Et puis, il n'y a pas de honte hein, d'avoir hein, les petits serviteurs, ils construisent, ils font les bâtiments, ils vont à la mine, ils travaillent, enfin, il y en a besoin, donc ne t'inquiète pas. Ils veulent pas me poser le dernier coffre, ça y est. Voilà. Et je vais commencer à faire un truc, c'est que ça, voilà. Je vais faire pour qu'ils commencent à les vider, parce que là, avec tout ce qu'il y a dedans, je vais demander à ce que ici, ça soit plus géré. Voilà. Et comme ça, ils vont tout aller me déplacer. Non, c'est cela. Dans les coffres. Et ça libérera de la place ici pour le reste. S'il y a besoin. Voilà. Alors, ils en sont où? Eh ben, ça a l'air d'être pas mal parti quand même. Même s'ils font que des fois un quart, ils ont fait les escaliers, ils sont en train de faire les murs. L'escalier, ils l'ont fait vraiment avant tout. Non, non, je pense qu'ils vont arriver jusqu'au bout. Hein. C'est bien parti, là. Puis, vous inquiétez pas, vous allez prendre. Bah, il n'y aura pas des métiers pour tout le monde, hein. Ça, c'est sûr. Parce que, bah, au bout d'un moment, j'aurai tous les métiers. Je vais pas m'amuser à les faire en double. Donc, il restera des travailleurs. Mais il n'y a pas de honte à avoir un petit travailleur. Là, ils sont en train de faire le. J'adore, ils font un échafaudage juste pour le truc ici. Ça, mais j'adore, c'est génial. Allez, les petits bonhommes, bossez-moi ça. Ah, il aura duré un peu plus longtemps que d'habitude, mais bon, c'est un jeu. Moi, j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un jeu où je me lasse pas. Parce que je le trouve vraiment. Génial, on fait plein de découvertes, même en niant. Là, je suis, je crois, à plus de 75 heures ou 80 heures. Ouais, je regarderai les pouvoirs après. Ouais, donc, je suis à quasiment ouais, 60, entre 75 ou 80 heures de jeu sur Stoneheart. Mais je me lasse pas, je me régale à chaque fois. On peut faire des jolies constructions. Enfin, voilà, c'est des petits trucs bien sympas. Oh là, un voleur, où ça? Ah mais ça doit être ici, il le voit. Il s'est approché, il est où? Ils sont où? Ils sont ici. Ici. Non. Bon, on va envoyer les guerriers buter le zombie. Peut-être qu'au passage, ils buteront le. Ça les fera monter, puis on va voir le Knight. Eh ben, on va aller regarder notre ami le Knight, ses caracs. Et ses pouvoirs. Donc le champion, ce sera Bob. Compton Bob. Alors, les pouvoirs, les compétences du Knight. Oula, c'est le guerrier seul qui est allé. Bon, mais ça va, il est suivi de près par là. Bah, par les deux autres, donc c'est bon. Ouais, pas un problème. Waouh! Alors, donc de base niveau 0, increase stamina, courage, Andro. Il a 263 points de vie. Après, avec le bouclier, le Knight gagne un additionnel 10% de défense depuis l'équipement. Ok. Après, le Knight, il l'intimide. Donc, c'est à partir du niveau 2 qu'il intimide. Oui, ça y est, il va devenir un mort-vivant. Il est infecté. Fortifie, stamina 2. Courage, increase. Le chevalier réduit beaucoup les dommages causés par les ennemis. Il a un pouvoir Knight boost courage de tous ceux qui sont autour. Et le Knight. Drawings, attention ennemi. D'accord, ok. Bon, là, il y a plein de lingots, mais on s'en fout. Est-ce qu'on se tape le village? Le village. Gobelin. Tant qu'à faire, on a tout le groupe qui est là. Hein?
Ça vous dit pas? Allez, on le tente. Allez, on va tenter. C'est qui va? Ah, ok, bah, bye bye, Titanesque. Et merci d'être passé. Baston. Il y en a un qui veut tout le temps baston. Non, viens ici, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, bonjour, on fait le tour. Allez, on va voir si un knight, un groupe de pierres gobelins approche. Rapport journalier. C'est bon, c'est bien, on va y aller par petits groupes. Et ben le premier qui dit picabou, on a un bonhomme de plus. Alors la baston, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Oula, il y a du monde. Bon, il y a déjà un gobelin qui va se faire défoncer. Ça c'est bon. Alors, elle soigne. Oh, ça va, elle arrive à les... Mais non, mais non, mais elle est conne ou quoi? Elle a peur des gobelins et j'y crois pas. Soigne les collègues. Bon, il y a un autre gobelin qui va y passer. Eh, les bastons sont vachement plus longues, hein. Bon, j'aimerais bien que mes guerriers prennent des niveaux aussi. Le Knight a l'air de vraiment bien tanker, hein. Bon, ça y est, les gobelins ils commencent à avoir peur. Boum, allez, un gobelin de moins encore. Ouais, les guerriers, ça va pour le moment. Bon, il s'est bien fait blesser, mais ça s'en sort. Allez, fantassin niveau 3. Bah, il a un nouveau pouvoir. Qu'est-ce qu'elle fait? Allez, il continue la baston. Il reste plus grand monde, donc ça devrait passer tranquille. Il restera que le boss. Ah, mais ils ont tué le boss alors. Ou le boss, il s'est barré. Bon, on défonce le village, on s'en fout. Péter le totem, c'est bon, péter le dernier. Ça va, ils sont sortis tranquilles, donc ça va, ils arrivent. Alors, non, le fermier, c'est prévu pour Ifol. Je ferai peut-être pas de... Allez, passer niveau 2 en clair, c'est top. Bon, bah voilà. Hein. Ce qui s'appelle... D'accord, donc le petit groupe arrive à se taper plein de gobelins. Alors, ben, qui n'est pas encore devenu parmi vous, qui n'a pas eu son nom? Parce que Rekt, t'as déjà eu. Koroshin, t'as déjà eu. Bok, t'as déjà eu. Ah ben, c'est dommage. Ah ben, ce sera pour les prochains. Pour les prochaines personnes. On est à 15 en plus, donc... Ah ben voilà, il se tape le chef qui est enfin là. Baston contre le chef. Défonçage du chef gobelin. Allez, pété... Ouh, le knight, il prend cher quand même. Hein. Mais bon. Elle le soigne, il est presque à fond, quoi. C'est énorme. Ça y est, le chef gobelin qui chie dessus. Et c'est bon. Allez, eh ben le chef... Oh, il a droppé quoi? Oh, la hache! Alors, évaincu. Oh, ça fait mal. Dites à ma brebis, moi, être amoureux d'elle toujours. Toi, pas gagné, Ogo arrivé. Le devin dit Ogo, écraser tout le monde. Ok. Et l'autre, elle est toujours en train de soigner pendant ce temps-là. Ok. J'adore. Elle soigne pendant le trajet. C'est énorme, j'adore. J'adore ce jeu. Ah, ils en sont où là? Oh bah oh, waouh, ils ont bien avancé. Ah, c'est à mon avis, c'est bien parti pour qu'ils arrivent à terminer. Hein. S'ils ont fait le plus dur en fait, la terrasse et le, ils ont fait l'escalier, la terrasse, ils ont fait tout le reste, donc je pense qu'ils devraient pas avoir de problème. Donc on va avoir un superbe restaurant. Le cuistot, faudrait peut-être que je te donne... Puisque j'ai construit ces trucs pour le cuistot, mais faudrait peut-être les poser. Hein? Cuistot, on va le mettre par ici. Avec son deuxième petit truc par là. On va caler 2-3 caisses pour la bouffe à côté. En attendant, parce qu'après je les mettrai à l'intérieur du... Et on va le faire booster, notre cuistot! Et puis j'y pense que là notre gars là il bosse, il bosse, il bosse, il m'a fait mes barrières, mais il va falloir qu'il me fasse aussi. Bah elle est où? Ils l'ont déplacée? Il n'en fait plus. Elle est là.
L'enseigne pour l'auberge, bien sûr. Allez, c'est parti. Allez, ils sont en train de finir là. C'est bon, mais je pense que notre auberge va bien marcher. Elle va être très jolie. On rajoutera après, dès qu'on peut, des petits pots de fleurs. Tiens, je vais regarder d'ailleurs si le tailleur peut déjà en faire. Je sais plus si c'est lui qui les fait. Pas les pots de fleurs, mais les... non, c'est pas lui qui les fait. Donc, ça doit être le... lui. Qui normalement arrive, voilà, à faire des petits pots de fleurs comme ça, là. J'avais dit combien de fenêtres? Je me souviens plus, il y a une mémoire des poissons rouges. Il est pour ça. Non, c'est ça que je veux. Je lui ai dit combien de fenêtres? 22 cadres en bois. Eh ben, on va faire 22 pots de fleurs. Ceux qu'on accroche sous les... Alors, c'est ceux-là. C'est les jardinières. Non, alors c'est ceux-là. Jardinières, pardon. Suspendre aux fenêtres. Bon, j'ai pas assez pour faire les 22 pour le moment, parce que j'ai pas assez de personnages. Mais... On va déjà en faire 18. Autant les utiliser, que ça serve à quelque chose. Hein. Voilà, fabrique-moi ça. Il va monter à une vitesse, notre ami. D'ailleurs, on va faire de la récolte ici. Bon, le gobelin, on lui a fait sa fête. Il va être content. Et comme ça, on pourra mettre des petits pots de fleurs pour agrémenter. Tu vas jusqu'à quand? Ben en fait, dès que la construction est terminée, je fais 2-3 petits trucs et je vais arrêter parce que j'ai commencé moi à 21h. À faire le live et je commence à être un petit peu crevé, j'ai bossé aussi aujourd'hui donc voilà, j'ai un petit peu la fatigue qui arrive, mais voilà quoi. Et sinon, le prochain live sera dans 15 jours parce que je live 2 fois par mois, donc deux tous les 15 jours à peu près. Là, c'est exceptionnel, ce sera 2 fois d'affilée parce que ce que j'avais prévu normalement ce soir a été décalé à la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que j'ai fait live maintenant. Voilà. Et après, ben, ça devrait rester à peu près comme ça. De toute manière, je mettrai toujours une petite... soit sur Facebook, enfin sur Facebook, sur Twitter et sur la chaîne, je mettrai une petite vidéo annonce le jour même pour indiquer que je live. Voilà. Voilà. J'espère que ça te renseigne pour l'intégralité. Bon là, c'est bien... Je pense que là, c'est bien fini. Hein. Ils ont fait, je crois, le plus dur. Ils sont en train de faire le reste ici. Je pense que je vais pas manquer de bois. Comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc ça devrait être bon. Les fenêtres, à mon avis, elles sont déjà toutes faites. Bon, on sait que les guerriers, un tank plus un guerrier et un clerc, ça défonce tout. Donc c'est génial. Ah, c'est une nouveauté qu'ils ont fait. Faut que je fasse un archer aussi à un moment. Mais là, on va essayer de récupérer des petits bonhommes en plus. Hein. On va essayer d'augmenter notre nombre de personnages. Ici, alors on a dit qu'on voudrait gérer que la bouffe. Comme ça, ce sera plus près quand ils vont faire les récoltes. Et comment lui va travailler en attendant, avant qu'on le mette à l'intérieur. Je vais déjà lui donner quelques ordres, on va dire, permanents. Parce que voilà, ça c'est du panier de maïs. Ah, j'en ai pas beaucoup. Ça, il n'y a pas le niveau. Et ça, je vais pouvoir en faire un paquet. Donc pour le moment, tu vas m'en faire 6. On va tout utiliser. De toute façon, on n'aura pas de problème après. Décoration des ballots de blé. D'accord, c'est bien pour si on a beaucoup, pour en avoir moins. Ok. Ça, je veux toujours que tu m'en maintiennes un. Ça, tu vas toujours m'en maintenir un. Et ça, tu vas toujours m'en maintenir un. Ça fera la bouffe pour les bestioles. Ça, tu vas toujours m'en maintenir 5. Voilà. Parce que ça, au niveau denrées, les légumes, on en aura tout le temps. Et ça, on verra plus tard. Le temps qu'elle prenne des petits niveaux, la demoiselle. Enfin, pardon, la demoiselle. Je sais même pas si c'est une demoiselle pour le cuisinier. Je vais vérifier, mais... C'est qui le cuisinier déjà? Bah non, je suis con, c'est Bug. Oui, désolé Bug. Alors non, j'ai pas encore testé je vais les tester sûrement demain et j'en ferai peut-être une vidéo. Demande l'escalier pour aller à la mine. Oui, je l'ai pas encore fait, t'inquiète. D'ailleurs, ils ont pas terminé.
Ah, il y a Picabou qui est là. Bon, pas de nouveau bonhomme. C'est pas grave. On a bien avancé. Pourquoi il n'y a pas... Pourquoi il y a toujours ça ici? Il y a quoi qui bug? Ah, il doit manquer une échelle pour les enlever, en fait. Je suis sûr que si je mets l'échelle, ils vont venir, ils vont la créer et ils vont enlever tout ça. Bon, bah là, et la maison, elle est bien partie, là. Hein. Non, t'inquiète pas, c'est que j'ai pas eu le temps. Hein. Je bosse, moi, la semaine. C'est tous les soirs, je finis à 18h. Il n'y a que le vendredi que je finis plus tôt. Ouais. Et donc, j'ai pas eu le temps vraiment encore. Je t'inquiète, il est bien de côté ton petit message. Je vais sûrement peut-être faire une vidéo demain. Je sais pas encore si j'ai le temps. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire, à préparer là. Donc, voilà. Ah, ça, ils sont en train de les enlever, c'est nickel. Bah oui, non, mais t'as, je commence à bien maîtriser le jeu aussi. Hein. Comme quand ils oublient les ressources à moitié sur les. Sur les hauteurs, c'est pas mal aussi ça. Allez hop. Et je ferai ma petite truc juste après. Pendant que j'aurais donné l'ordre de poser les trucs à l'intérieur. Ah, c'est. Comment on peut arriver à faire maintenant, du premier coup, des bâtiments qui se pètent pas la gueule. Tu lèves ce week-end? Non, non, je live deux fois par mois, le vendredi. Pour le moment, c'est. J'y vais doucement, je démarre. J'y vais tranquille parce qu'il y a la chaîne que je m'occupe, donc qui me fait une vidéo par jour quasiment. Donc, ah, j'étais en train de lire. Oula, envahisseur, où ça, où ça, où ça? Oh, c'est des loups, ça va. Qui c'est qui? Quoi? Toi, non, non. À la maison. À la maison. Mais non, mais sérieux, ils sont débiles ces bonhommes quoi. Excuse-moi, ils folle, mais là. Peut-être, bonjour, il y a un loup sur ma gueule. Il va se faire défoncer. Non, non, c'est bon. C'est bon. Hop là, à l'abri. Voilà. Non, mais c'est même pas ils folle, c'est qui? C'est qui? Menuisier là, mais n'importe quoi. Niveau 4 en plus. Allez, pète-moi ce loup. On va enlever l'alarme. Non mais je t'ai dit d'aller péter le loup. Il est où le loup? Bah, il est où? Le loup a disparu. C'est quoi ce bug? Le loup a... Rien à foutre, j'ai disparu. Ok. On va peut-être enlever le truc jusque là parce qu'ils vont attaquer le... On va virer les ordres. Voilà. Et oh, de la ville, comment vont les choses? Ce fut plutôt calme ces derniers temps, mais vous savez, quand les oiseaux arrêtent de chanter, c'est mauvais signe. Je pense à des loups gobelins, surveillez vos frontières. Vous ne voulez pas les combattre après que leurs dresseurs les aient lâchés, vous entendez? Barricadez-vous si nécessaire, ou courez, la fuite, c'est bien, il n'y a pas de honte à survivre un jour de plus. Alors, donc il doit y avoir un camp avec des loups. Alors, où qu'il est? Montre-toi. Que je te défonce la tête. Il est pas là-bas. Il est pas tout, il est pas dans la forêt. J'avoue que là, ouais. J'avoue que je le vois pas. C'est pas grave. Il est pas chez moi quand même. Non, parce qu'une fois ça m'est arrivé, comme si vous avez regardé dans les épisodes de la saison 2, de me faire flinguer parce que il y a des mobs qui avaient popé à l'intérieur de mes zones. Donc ça c'était. Alors donc je. Comme je disais, je ne live pas ce week-end, je live que deux fois pour le moment, parce que je fais une vidéo par jour sur ma chaîne, ça me prend pas mal de temps. J'ai pas vraiment le temps parce que. Je bosse moi tous les jours, je finis à 18h. Alors, il y a quand la saison 3, faut déjà que je finisse la saison 2. Faudrait déjà que vraiment que j'arrive à finir la saison 2 avant de passer à la 3. Sûrement dans l'année, il y aura déjà finir la saison 2. Je vais passer sur un autre jeu de ce type-là, on va dire. Alors, ce
Ce sera pas du Stone Earth, hein, mais pas un jeu, c'est comme Stone Earth, mais ce sera un jeu sandbox ou autre. Je vais faire une aventure sur 15, 20 épisodes, 25, selon si ça plaît plus ou moins. Et bah après, je verrai si ils ont bien amélioré Stone Earth et qu'il y a eu pas mal de nouveautés. Je partirai peut-être sur une saison 3 de Stone Earth, je ne sais pas encore. Je verrai, de toute façon on a le temps, on est encore le début, on n'est que le premier trimestre de l'année, donc il y a encore le temps. Voilà. Sinon, vidéo découverte de mode, oui, ça j'en ferai. Ça c'est sûr. Là, d'ailleurs, si vous avez des modes que vous voulez que je présente, vous voulez que je regarde, voilà quoi. Lequel de jeu? Ah, surprise! Vous verrez bien. Non, ça pour le moment, je ne dirai pas le jeu, ce sera la surprise. Et vous verrez au moment voulu. Allez, hop, on va récupérer tout ce qu'il y a là. Ça, bientôt, je vais plus le faire. Ah, ça lag à chaque fois, j'en prends un peu beaucoup d'un coup. Alors, moi, ils m'ont toujours pas récupéré la super lance de la mort qui tue, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ce serait bien que vous alliez me les récupérer, merci. Bon, après, ils ont la construction pour le moment, donc... Allez. Bon, bah, ils ont réussi à faire la maison. Ça, c'est top de chez top. Pourquoi vous buguez là? Oula, ils sont arrêtés là un moment, ils ont dit on réfléchit. Voilà, donc ils ont réussi à faire la maison. Alors ça, c'est génial, ils sont en train d'enlever la première lettre. Waouh. En fait, j'hésite entre deux pour le moment. Donc, pourquoi P et K? La première lettre? Non, K, non, ça c'est sûr. Le P, il y a des chances. Et le K, je vois pas quel jeu là. C'est peut-être même pas un jeu que j'ai. Hein. Alors. Hein, vous, bah, non, ce sera pas Portal Knight. Peut-être plus tard. Ou si jamais je vois avec un des collègues youtubeurs du forum des artistes de l'ombre où je suis, s'il veut qu'on fasse une aventure à deux, pourquoi pas. Mais je pense que Portal Knight, c'est un jeu où il faut vraiment jouer à plusieurs en même temps. Je pense que, et avoir un de chaque classe. Alors ça commencera. Normalement, le jeu, ça commencera par un P. Celui que je pense. Non, pas Banished parce que ça ressemble trop. Alors, j'ai pas encore joué. J'ai le jeu, hein, j'avoue, j'ai le jeu Banished, mais j'ai pas encore joué. J'ai pas eu le temps. Si vous allez regarder le profil Rayek sur Steam, vous regardez le nombre de jeux que j'ai et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas pu jouer à tous les jeux. Voilà. Bon, eh ben, ils ont bien réussi notre petite baraque. Ça, c'est top! Je vais peut-être déjà démarrer à poser mes petites barrières. Donc normalement, si j'ai bien calculé, ça doit rentrer. Alors ça, c'est le truc chiant. C'est que quand on n'est pas sur le sol, on est obligé de le poser un par un comme ça. Ça, je trouve ça un peu dommage. Bon, ça dépasse un petit chouïa. Et encore, c'est pas grave, c'est pas énorme. Bon, c'est pas grave, ça va pas être super méga joli comme ça, j'aurais dû faire un cran de plus. Mais bon, c'est pas grave. Quoique je pourrais le faire après, on verra. Donc on commence à bien faire le design de notre truc. En plus, moi j'ai l'autre là, il va me les construire à fond. Donc il devrait pas avoir de problème particulier. Allez, hop. Allez, c'est parti. On va arriver normalement bientôt au bout. Allez, allez, allez. Oh, puis en plus, c'est nickel pile poil, sans le vouloir. Hein. J'ai eu un doute, j'ai eu peur que ça aille pas jusqu'au bout. Mais en fait, il faut faire des valeurs paires et on est à peu près sûr que ça soit bon. Voilà. Même si ça dépasse un petit chouïa, c'est pas grave. Allez, petit bonhomme. Non.
Parce que c'est... Non, pas de petit bonhomme. Mais c'est pas grave. Craft. Oui, j'ai mis 80 jeux, ouais. Alors, on dit merci au bundle, de genre Humble Bundle. Bah, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, j'explique pourquoi, sur... j'ai fait les bundles, une vidéo découverte sur les bundles. On peut avoir des jeux vraiment pas chers. Alors, c'est clair que ce sera pas des jeux récents, mais on peut avoir énormément de jeux et de pas mal de jeux de bonne qualité dans ces bundles. Voilà. Après, ça fait plus de 8 ans quand même que je suis sur Steam, presque 9 je crois. Donc c'est un petit peu normal, je dirais, d'avoir. Surtout que je profite souvent des soldes Steam. Et puis comme je bosse et que j'ai un comment ça s'appelle un. J'ai un salaire, on va dire, pas dégueulasse. Hein. Voilà, je peux me permettre l'achat de jeux régulièrement. Ouais, voilà, ouais. Non, mais ces bundles, c'est énorme. Même moi, je prends assez régulièrement le Humble Bundle Monty, là. Il y a une fois où je l'ai pas pris parce que le jeu de base qu'il proposait, voilà, était... je l'avais déjà, mais là, en ce moment, pour 12$, on a Mad Max. Et... On va voir 5 jeux derrière, dont des jeux qui, normalement, il doit y avoir un ou deux jeux encore qui n'ont jamais été en bundle chez eux, plus les autres. Et après, moi, les jeux que j'ai en trop, eh ben, je vous les fais gagner quand j'arrive à certains paliers. C'est-à-dire que le dernier, j'ai fait gagner, quand on est arrivé aux 500 abonnés sur ma chaîne, j'ai fait gagner les jeux, j'ai fait gagner 5 jeux. Il y avait Saint-Tro 4, il y avait quoi? Merde, je me souviens plus, j'ai fait gagner il n'y a pas longtemps. Là, le prochain, ce sera quand il y aura 1000... Non, je te mets pas des vents, je t'ai dit Planète Basque, non. Je ne joue pas. Désolé, Rect. Je sais pas voulu les vents. Voilà. Donc dès que j'arrive, tu t'es offert tous les Tomb Raider. Oui, enfin ouais, mais même pas. Il y a eu un bundle, il n'y a pas là de Humble Bundle qui avait pas mal de trucs que j'avais pris, je crois, Square Enix où il y avait les trois premiers Tomb Raider. Il y a pas mal de choses qui étaient pas mal dans ce bundle-là. Normalement, le prochain truc que je fais gagner, c'est quand. C'est pas grave, Rect, c'est pas grave. Je parle beaucoup aussi, puis je passe de l'un à l'autre très vite. Donc, normalement, mon prochain palier, dès que j'ai 1000 abonnés sur ma chaîne, je repars sur un nouveau truc pour faire gagner. Ils ont posé tous les trucs n'importe où. Sérieux, les gars? C'est quoi ce bordel? Allez, on va essayer de placer les petits pots de fleurs, parce que normalement, il a dû les faire. Allez, on va en mettre un ici. Oh, bah, on n'arrive pas à les mettre. Voilà, merci. En espérant qu'ils se cassent pas la gueule. Alors on va les mettre que au fenêtre, pas celle-là. Des réfugiés épuisés apparaissent à l'horizon. C'est quoi ça? Ces loups gobelins ne sont pas comme des loups normaux. Ils sont rapides, vicieux et sans peur. Courez pendant que vous le pouvez. Ils sont où? Ils sont là-bas! Bon, ils sont en train de se faire attaquer par un... Bon, bah envoyez les guerriers. Chargez! Alors, regroupement avant. Hein, on va éviter que... Ce serait bien que le knight il prenne son niveau. Oh, le guerrier a déjà pris sa lance maintenant, là, le fantassin. Donc il va dépoter sa mère. Cherche pas, je dirai pas de toute façon. Et non, ce sera... Alors, prison architecte a l'air d'être sympa. Mais il y a des personnes super connues qui ont déjà fait pas mal de vidéos dessus, donc je vais sûrement pas faire sur un jeu comme ça. Même si je dis pas non. Le jeu a l'air d'être vraiment très sympa. Bon, il y va. Pff, putain, il a défoncé quoi. Allez, baston. Elle a pété le coffre, comme ça on aura tous les trucs dedans. Allez, chevalier niveau 1, c'est parti! Bon, les gobelins, ils ont peur tout de suite. Hop, elle soigne. De toute façon, d'ici là, autant j'aurais peut-être changé. Parce que, on va dire que la saison 2 de Stoneheart, il doit rester, allez, 5-6 épisodes avant que j'arrête. Parce que j'aurais bientôt fini tous les objectifs que je m'étais fixé sur le jeu.
Je vous ferai peut-être quelques petites surprises parce que pourquoi il le flingue? Il l'a pas laissé s'enfuir. J'hallucine. Ah non, ça y est, il est parti. Non, non, il est là, le loup. Le loup veut se barrer. Le chevalier fait non, non, toi, je te tuerai. Tu ne t'enfuiras pas. Nous avons un chevalier bourrin. J'adore. Ils le poursuivent, lui défoncer la gueule, le loup. Et le loup a disparu. Alors, yip yip yaou, comme d'hab. Et voilà. Énorme. Le chevalier qui voulait pas laisser s'enfuir. Ok, donc les pots de fleurs tiennent, parce que j'avais eu peur. J'avais eu peur, ça m'était déjà arrivé avec voilà, des petites pots de fleurs pour bien agrémenter notre petite auberge. C'est bon là, je viens de défoncer des mecs là. C'est où ils sont ces envahisseurs? Oui, non, mais à côté des guerriers, ils sont fada. Oula, c'est la prêtresse qui est toute seule. Ouah, qu'elle se fasse pas défoncer. Oulala, venez les copains. Elle est toute seule. Bon, elle est en train de le gérer, elle se soigne. Mais là, ouh. Bon, ça va, elle arrive à remonter ses points de vie. Elle arrive à tenir toute seule contre un loup quand même, hein. Balèze, la petite prêtresse. J'adore, elle se prend un coup, elle tape une fois, elle se soigne, elle retape, c'est énorme, j'adore. Voilà, bon là il est en train de se faire défoncer la tête. D'accord, donc maintenant il doit pouvoir provoquer. Si je me souviens bien, dans la liste des compétences. Non, ah non, c'est juste, il a plus de défense. C'est au prochain, je crois, qu'il peut provoquer. Ouais, c'est ça. Mais bon là ça devrait être tranquille, mais quand même hein, beaucoup plus long hein, pour buter les mobs hein, par rapport à avant. Donc non, j'aime. Enfin je me fasse un petit archer. Il manquera un archer dans le groupe et ce sera nickel. Allez, finissez-moi ce loup et rentrez à la maison, s'il vous plaît, merci. Voilà. Eh ben Fantassin, il a encore pris du niveau lui. Lui il arrête pas. Hein. Bon. Pff, ok. Ok, je dirais rien. Alors, donc j'en étais où? Je plaçais mes petits pots de fleurs. Hop, ici. Donc il les place tranquille. Alors de ce côté, je vais pas en placer parce qu'on voit pas. Je vais placer ici. Là, ils sont en train de terminer tranquillou la maison. Enfin, le. Voilà, on va placer ici. Voilà. Déjà, ça va éclairer un petit peu. On va placer. Pourquoi j'avais sorti? Non, c'est pas tailleur de pierre, c'est ici la petite enseigne auberge. Ici. Après, je vais faire construire des tables et des chaises en bois. Non, le fantassin, je voudrais le garder parce que je voudrais un fantassin bien costaud. Donc, je ferai passer un autre personnage un petit peu plus tard. Archer, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, je vais déjà préparer l'arc d'archer et le bâton de berger de Justin Bradou. Là, je fais de la pub, zut. Alors, on va faire des tables à manger. Allez, tu vas m'en faire 10 ou 15. Et des chaises, eh ben. Il va bosser, notre gars. Hein. Puis en plus, je prends pas de. Non, je vais peut-être prendre des normales. Ça, c'est pas. Je vais plutôt prendre des comme ça. Des chaises en bois simples. Parce que les autres, elles coûtent un peu cher. Et je vais en, alors 15, je vais en faire 30. Voilà. Allez au boulot! Allez, il va bosser pendant un moment, le gars. Hein. Ok, ah ben, elle commence à ressembler à un petit truc bien sympathique, tout ça. C'est bien joli, ils ont presque fini. Donc on a réussi, ça a marché. Ça a bien marché. Il doit me manquer une porte. C'est là. Il doit me manquer une porte. Simple. Une porte en bois simple. Je vais même lui demander de faire quand même quelques dés. Non, les murales, j'en ai déjà une. Donc, je vais commencer à éclairer un petit chouïa. Pour ça. Oh, mais non, j'en ai plein. Oh, il m'en a fait plein des belles. Cool. Ça, c'est cool. On va éclairer un peu l'extérieur. On va en mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Comme ça éclairera la partie haute. Et on va essayer d'en mettre une à l'intérieur.
par là. Non, alors par ici. Voilà. Comme ça éclairera. Et même une autre. Pour comme ça éclairera la terrasse. Voilà. Ça, c'est pas mal. Il a commencé déjà les tables. Allez, on va en placer quelques-unes ici. Tant qu'à faire, hein. Un peu écarté, une par là. On va faire 4. 3, 4. On va voir si j'ai assez. Voilà, 3. Ça suffit. 3 pour dehors. Comme ça, ils pourront bien manger dehors s'ils ont envie. Et on en fera quelques-unes à l'intérieur. Ah putain, français. Je devrais peut-être rajouter dans la description Stoneheart FR. Pourquoi tu cherchais Red Star, tu cherches. Alors malheureusement tu tombes mal parce que le live va bientôt se terminer. Parce que tu cherches du Stoneheart, t'en as pas trouvé qui font du français. Oh, un petit bonhomme. Attention. Alors, expliquez à Red Star, celui qui dit Picaboo a le droit à avoir son petit nom dans le village. Bah il est où mon bonhomme? J'ai fait refuser comme un boulet ou quoi? Ah non, il est là. Voilà, donc un petit, si tu dis Picaboo, tu as le droit à voir ton petit nom avec le bonhomme qui vient d'arriver. Maintenant, Red Tech. Enfin, Rect, je t'ai expliqué. Tu es déjà ton bonhomme dedans, donc tu ne pourras pas en avoir un nouveau. Vu que Red Star vient d'arriver, si tu veux, tu auras le droit à ton petit bonhomme. Et sinon, je live tous les 15 jours. Donc, je live pas la semaine prochaine, mais le vendredi d'après. Sur le jeu, je teste l'Alpha 16 avec toutes les nouveautés d'Alpha 16. Et j'ai donc recréé un petit village. Sinon, tu peux me retrouver sur ma chaîne Rayek Wars sur YouTube. Où je suis en train de faire une saison 2 sur le jeu avec l'Alpha 15, où j'ai déjà pas mal avancé. Tu auras de quoi voir pas mal de choses. Voilà. J'ai fait ma pub au passage. Mon vrai nom c'est Radou. Eh ben, le petit bonhomme, je vais l'appeler Radou. Voilà. Tu fais partie du Rayek Live. Voilà. Radou maintenant, nouveau petit personnage dans Rayek Live. Voilà. Je suis roumain français, et eh ben écoute. Ah non, bah Démonique 7, c'est un peu trop tard. Mais comme ça fait un petit. Pas de soucis. Alors ouais, donc moi je live heure française de 21h. Alors à chaque fois je fais en deux parties la soirée. Je fais une première partie où je vais faire un jeu. Soit que j'ai fait en découverte sur ma chaîne, soit un jeu que j'ai envie de tester comme ça pendant une petite heure. Et à 22h, heure française, je pars sur la suite de Rayek World. Enfin, Rayek World, Rayek Live. Voilà, sur Stoneheart. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait ce petit bâtiment-là, qui est une petite auberge pour les petits bonhommes. Enfin, même pas un restaurant-auberge. Hein. Pour les petits bonhommes, donc je suis en train de la finir, elle a bien réussi. Voilà. Après, chose qu'il faudrait que je fasse avant qu'on termine. Non, avec de la pierre, parce que ça je devrais en avoir assez. Voilà. Coupé. On va y arriver. Voilà, comme ça, j'ai fait l'escalier. C'est bon, j'ai terminé. Tu peux me dire oui. Fabriquer, terminer, l'édition, construire. C'est parti. Voilà. Alors, donc, il doit avoir fait d'autres tables. Non, ils les ont même pas encore posées. Qu'est-ce qu'il est à la bourse? Travaille mal. Hein. Alors, on va. Hop, je passe en mode. Voilà. Ah, mais il est là, le Picaboo. Il est là. Ben alors, Picaboo, qu'est-ce que tu glandes à l'intérieur de la baraque?
Allez, on va poser des tables aussi à l'intérieur. On va mettre une ici. On va recaler une par là. Oh là là, encore. Vous allez vous faire défoncer, ça sert à rien. On va mettre une petite... Une table. Ah, j'arrive pas à la poser. Ça va être chaud, hein. On va continuer par là. On va en caler une. Petite table double qu'on va mettre pas. Ah. Oh mince, l'escalier. Je suis en train de regarder qu'ils pourront pas passer. Il manque un truc. Oh, ils m'ont laissé des échafaudages ici. Vite l'escalier. Construction. Ah mais non, c'est bon. Rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais ils ont laissé des échafaudages. Ok. On va faire une petite table. Quoique. Je vais en train de garder. Reviens. Reviens Léon. Reviens Léon. Reviens. Non, j'arrive pas. J'ai toujours ma table. On va caler ici. Voilà. Après, les tâches, ça va être plus facile pour mettre les tables. On va mettre une petite table ici. On va en caler une par là. Allez, on met un peu en vrac. Ah, ça va être un sacré resto, hein. Ah, ce sera des tables doubles là. On va en remettre une ici. Et on va en... Hein? Je vois pas l'autre côté. Ça, c'est pas grave, c'est l'extérieur, donc on s'en fout. C'est marrant, ils l'ont fait en deux fois. Bonjour, 9 portes en bois pour 2 lingots d'or. Merci. Et on va placer quelques tables ici aussi. Et dès qu'ils auront fini les chaises, on mettra les chaises, tranquille. Voilà. Ça va faire de l'auberge. Alors là, s'ils ont pas... Alors, les loups gobelins sont entraînés pour attaquer sur commande. Libérez-les avant cet ordre n'arrive et vous dormirez tranquillement cette nuit. Celui qui vous observe. Où ça? Ok. Les guerriers, au boulot, s'il vous plaît. Merci. Hop, 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 hop. C'est quoi que je vais pouvoir passer là? Ouh là là! Rentre, rentre, avant de te faire tuer. Bon, ça va, ils ont pas l'air d'avoir suivi. Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? C'était qui ça, d'ailleurs? C'est qui ça? Qu'est-ce que tu fous là-bas, Rect? Alors, je suis Romain. Donne-moi 2 minutes et tu viendras voir ma page et mon village. Oui, il y a des noms qui n'ont pas été encore pris. J'ai Brom Wester si tu veux, je peux changer le nom. Et Démonix si tu veux, vas-y, il n'y a pas de problème. Vu que là j'ai dépassé les 15 de toute façon. Non, je vais pas changer de métier, je voulais changer de nom. Donc tu un petit travailleur et puis ben si jamais j'ai besoin, il changera. Mon Dieu, il est presque 1 heure du mat, j'aurais live 4 heures. Vas-y, Démonix, propose un nom que je lui mets. Je le change. Pourquoi pas lui? Bah après, c'est des filles. Alors, si tu veux être une fille, moi, il n'y a pas de problème, hein, mais il reste plus que lui. Hein. Après, hors métier, ben c'est une fille, c'est déjà pris, c'est une fille, il n'y a pas de bol, hein. C'est un guerrier, je les réserve, ce sera pour des personnes spécifiques, guerrier ou autre. C'est voilà, c'est un homme et c'est une fille, donc il reste plus que lui. Donc, Ben sinon t'attends le prochain, mais sur un picabou. Bon ça ils ont tout défoncé, c'est bon. Alors, bon allez vite, je vais vraiment arrêter d'ici peu.
Est-ce que j'ai des chaises? Non, il n'a pas encore mis les chaises. Ah, mais d'accord, il mettra que des stylisés. Zut. Non, c'est des bases que j'ai mis. Il en a fait une stylisée, mais ça servira pour d'autres constructions. Ok, bon, bah ils sont en train de placer les petites tables toutes tranquilles. Voilà. Je vais stopper ici, parce qu'il commence à se faire tard. Tu verras. Alors, bah, ce sera au prochain live, hein, parce que là, je suis un peu fatigué. Normalement, j'avais prévu de finir à minuit. Il est 1h moins le quart. Donc, bon. Voilà. Donc, je vais mettre en pause notre petit village. Je vais faire une petite sauvegarde. Voilà, je vais remplacer cette sauvegarde-là. Ben de toute façon, vous pouvez me retrouver, hein, il y a 2 épisodes par semaine sur Stoneheart, sur la chaîne. Donc vous aurez un épisode mardi et un épisode vendredi. Où j'ai déjà bien avancé mon petit village. Là, c'est la version live, donc ce sera avec vous. On fera des petites constructions. N'hésitez pas à me proposer des petites idées ou des petits trucs comme ça par-ci par-là. Et puis voilà. Voilà, donc j'espère que cette soirée vous a plu à ceux qui étaient là. Merci d'ailleurs d'être venus. On a réussi à monter à 10 viewers. Tu commences, tu sais plus t'arrêter. C'est clair, c'est clair. C'est un jeu, c'est vraiment énorme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé un jeu qui me prenait comme ça. Donc vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, de toute façon Stoneheart, hein, ça continue. L'aventure, voilà, de la saison 2 va continuer pendant quelques temps. J'irai faire un tour sur ton stream. Après des idées, t'inquiète pas, j'en ai, je regarde. Bon, peut-être pas ce soir pour ton stream, mais à l'occasion, je viendrai voir. J'en étais où? Oui, donc passez une bonne soirée à tous et le pro. Oui, il y a toujours un truc à peaufiner, c'est clair. Le prochain épisode du Rayek Live, donc ce sera dans 15 jours. Donc dans 15 jours, ça fait. Ce sera normalement le 7 mai. S'il n'y a pas d'erreur. Ce sera le 7 mai s'il n'y a pas de truc à décaler. Voilà. Allez, bonne soirée à tous et on se retrouve bientôt. Bye bye!